Bonsoir à toutes et tous sur ce nouveau Twitch sponsorisé jeux vidéo live. Donc, comme vous pouvez le constater sur l'écran, ça sera sur Bloodborne, puisqu'il nous a déjà fait un méchant run sur la version HD de Resident Evil. Pour nous accompagner ce soir, nous aurons notre guide littéraire et quelque part ce qu'on pourrait appeler Le guide spirituel. celui qui va l'aider tout au long de son parcours. Donc je vous présente Beto. Bonsoir tout le monde. Et puis, eh bien, écoutez, nous sommes toujours ravis d'être avec vous. J'espère que tout ceci vous plaira et que, évidemment, on pourra répondre au maximum de vos questions. Cicaps ne pourra pas être avec nous ce soir malheureusement, donc vous n'aurez pas de votre émission. Comment tu parles comme ça? Mais sinon, on va essayer quoi. Hein. Voilà, mais normalement elle devrait au moins intervenir au niveau écrit, en tout cas. Et voilà, donc il faudrait un petit peu débrancher ton casque. Eh ben, je débranche et je lance. Tu veux pas garder un petit peu d'audio parce que je pense que Beto pourra t'aider sur certaines scènes. Y a pas de soucis, toi, c'est normal, j'entendrai tout ce que vous dites. Bonsoir à Cyril, évidemment, un copain à nous. Ah bah Nicotine, bonsoir. Todd PSN, évidemment, bonsoir qui nous suit à chaque fois. Meili, que l'on connaît aussi, bonsoir Meili. Cicabs, évidemment, qui est là, hein, comme prévu. Ah, on n'entend pas du tout? Ah bah oui, bah c'est curieux. C'est curieux parce que C'est normalement moi curieux. je suis bien là. Alors attends, on va regarder. Apparemment, ce serait le son de la musique qui est trop forte. Ah oui, ça vient pas de moi alors. Ben, après, je peux pas non plus régler ça de mon côté, mais bon, de toute façon, une fois que le jeu sera lancé, Oui, ça sera un peu il moins, y aura mais. plus ce souci. Donc d'ailleurs, je vais pas tarder. La musique de base est déjà forte dans le jeu. Hein. Ouais. Bon, on va On va voir. voir On va ça. voir ce que ça donne. On va voir. Alors, non, je sais pas le nom. Musique. Todd, désolé, du coup, hein, pour ce côté un petit peu technique que nous ne maîtrisons pas forcément. Voilà. Bon, et ben c'est bon pour moi, je lance. Donc je vous dis Ouais. à tout à l'heure. Allez Ren, écoute, Eh eh ben, ben on bonne. te souhaite bonne réussite, hein, 2h30 maximum. On va Ou essayer. ben 2h30 d'après Beto si tu le fais en slow motion, mais sinon. Oh, culé. Fallait pas le dire. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous prendrez plaisir autant que nous à vous présenter. Salut LSK! Qui est là aussi? Salut, salut. Ah, c'est peut-être mieux hein, parce que j'ai baissé un petit peu le son casque hein, vu que j'ai deux molettes bon ça a pu contribuer un petit peu à ce côté ah bah si Mose on t'entend plus et tout mais en fait vous êtes content qu'on m'entendait pas donc ou alors je vous manque vraiment pour que je dis rien mais sinon voilà allez on y va. Alors comme vous pouvez le constater les temps de chargement des zones hein, c'est ça Ren hein, si je retiens bien ce qu'on a dit sur le Twitch. Le temps de chargement des zones est encore un petit peu long. Par contre, le temps de chargement après une mort est beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on a connu au tout début du jeu. Hein. Ah, ils ont fait un sacré bon boulot à ce niveau-là. C'est clair qu'au début, c'était vraiment abusé. Ouais, c'était combien? C'était 45-50 secondes, je crois, un truc comme ça, Ah, non? ça, il y avait, selon la taille de la zone, ça pouvait aller jusqu'à 1 minute au début. C'était vraiment assez embêtant, surtout qu'au premier Ouais. run en général on est souvent. Ouais, j'imagine bien, ouais. Un peu gênant. Alors, comme vous pouvez le constater, on a des portes un petit peu en bois comme ça, la The Order. Mais par contre, dans ce jeu-là, on joue. Hein? Oh, C'est un peu cool. trop le code. Non, mais on a le droit. Oh, c'est bon. C'est pas grave. On sera pas bondé. Hein? Voilà, donc ça, bah, tout ce passage-là, normalement, vous le connaissez parce que si
si je ne me trompe pas, c'est un passage vidéo qu'on a vu pendant la présentation du jeu il y a un an ou deux maintenant, je ne sais plus, à l'E3 ou Tokyo Game Show ou Gamescom, enfin bon, peu importe quoi. Il avait un peu ce sens dans le décor comme ça, avec des chariots plantés comme ça. Qu'est-ce que je fous là, hein? C'est un peu ça la question. Et tout, je pense que tu pourras plus te traduire que moi en tout cas. Mais bon, là, donc il y a des gens un petit peu plus grands que les autres. Oui, on va dire que c'est bien résumé. Ouais, hein, c'est un peu ça. Et mais bon, voilà, c'est une espèce de village un petit peu bizarroïde qui devrait être un petit peu révolutionnaire, on va dire. En tout cas, hein, un petit peu victorien. C'est vrai que c'est dur à estimer une époque. Quoi, hein. C'est ouais. Très dur à estimer une époque pour ce jeu, ouais. Par contre, là, on voit que Rainbow trace, hein, et il tue personne, hein, c'est le principe, hein, pour pouvoir faire tous les boss en 2h30, il n'y a pas trop le temps de tuer les gens. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Beto, les manipulations qui risquent de faire, enfin, manipulations, c'est peut-être pas ton terme, va chercher des objets quand même, est-ce qu'il va vraiment esquiver tout et n'importe non. quoi, ou est-ce qu'il va... Je pense qu'il va vraiment essayer d'aller au maximum vers les boss. À la rigueur, s'il perd quelques fioles de sang, il va utiliser des fioles pour se régénérer. Il peut peut-être tuer ouais. quelques mobs et histoire d'en récupérer une ou deux. C'est ce que moi je peux aussi ouais. quand j'en perds. Mais sinon, a priori, il n'aurait pas besoin de tuer qui que ce soit. Là, il est déjà tout près du premier boss optionnel, le monstre clérical. Au bout du chemin, ouais. il y aura le boss. Donc, le combat va commencer dans quelques secondes. Après l'escalier. Ah d'ailleurs en fait je vois qu'il prend l'escalier donc pas de déchets pour lui. Ah ok. Nous en fait on a vraiment des chemins assez différents. Ouais c'est ça qui est intéressant aussi hein. Ouais. Bonsoir Duno. Ouais. Salut Duno. Alors je reprends ma liste du coup moi des boss que Red va faire ce soir parce que... Alors autant vous l'annoncer, hein, je vais raconter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il va donc en affronter 16. Qu'il va faire, hein. Je trouve intéressant, je vois que Rainbow a activé une possibilité qui lui permet d'appeler un PNJ pour lui filer un coup de main. Donc là, je sais pas si on le voit sur l'écran, mais je sais qu'il est juste derrière lui. C'est PNJ, ouais. c'est le père Gascoigne ici, voilà, bah on le voit. Ouais. Donc il va rester avec lui pour l'aider. Par contre, il est susceptible de mourir s'il se prend trop de vie. Mais c'est une possibilité qu'on a dès le début du jeu pour affronter le premier. D'accord. D'ailleurs, chose marrante, c'est que ce père Gascoigne, justement, c'est le deuxième boss du jeu. Donc là, il est une nouvelle. Et là, dans notre présent, le monstre clérical va faire son attaque. Ah bon, d'accord, ouais. Par contre, c'est un boss relativement simple, bah, il n'est pas compris, monsieur. Il n'y a pas de boss qui est des patterns, etc. Ouais, c'est vraiment dans la vie. En fait, tous les boss peuvent le faire assez facilement, on va dire, c'est juste quelques runs, hein. Les premiers runs, c'est justement par un jour. Ah bah c'est du one shot en fait, de Ludwig dans sa forme numéro 2 de Ludwig. Donc voilà, c'est l'épée de Ludwig. Ludwig le numéro. Je n'entends pas toujours. Donc on nous entend peu.
Alors, je sais pas si il y a une possibilité de faire des réglages. Ah, il y aura des petites baisses un petit peu au niveau du son apparemment. La demande à son mec le son du jeu principal apparemment. Ah, ça m'arrête là. Le problème, c'est que Ren on a. C'est notre deuxième, hein, c'est notre deuxième, tu peux lui dire. Donc c'est notre deuxième speedrun, puisque, enfin, speedrun, en tout cas, arriver à la fin le plus vite possible, on va dire, hein, mais il y a des chemins beaucoup plus détournés, il y en a qui vont plus vite que ça, voilà. On l'a fait sur Resident Evil HD, comme j'avais dit au départ, et voilà, Bloodborne, c'est un peu notre deuxième essai, quoi, on va dire, et voilà, on espère que ça ira, quoi. Hein, en tout cas, j'espère qu'on nous entend un peu mieux, parce que c'est vrai que c'est pas évident et qu'on fait un peu ce qu'on peut. Donc, Ah bah Hiro dit merci pour le son, donc je pense que ça ah doit bah aller un peu c'est bon mieux. alors. Ouais. Ouais, donc il doit y avoir des petites baisses de temps en temps. Désolé, c'est peut-être pas forcément notre faute, c'est peut-être le PSN. Hein, Le PSN. C'est vrai que c'est fort possible aussi. ouais, ça peut être possible. Parfait. Impeccable. Donc là, bah, direction le deuxième boss, hein, le père Gascogne. Mais tout, je reviens sur un truc quand même, c'est que le père Gascoigne nous a aidé sur le premier boss, mais c'est le deuxième boss. C'est assez Voilà, c'est curieux quand même exactement ça. cette conception. C'est. Ouais, c'est. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. La première fois que j'ai découvert ça. Sachant Ouais. que dans le jeu, en fait, il y a exactement deux boss sur lesquels on peut se faire aider par un PNJ. Ouais. Donc je suppose que Rainbow va utiliser aussi cette possibilité. Ce sera pour le monstre affamé, le troisième boss du jeu. D'accord. Tu arriveras ah bah juste après d'ailleurs, normalement, hein. Gascogne, d'ailleurs, pour les gens qui jouent au jeu, je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec moi quand je dis que c'est le premier boss qui pose vraiment un vrai problème parce que dans sa deuxième forme, il fait vraiment très très mal, quoi. Ouais. Je suis de passage derrière chez moi, désolé s'il y a du bruit. Donc vous avez pu admirer un cochon que nous connaissons nous sous un autre nom. Donc voilà, là on va dire que Rainbow est déjà à quelques mètres du prochain boss. Alors. Je vous confirme que le problème de son ne vient pas de nous parce que on est tous bien réglés au niveau de la partie. N'y a aucun souci là-dessus. On est vraiment réglé sur partager le son, Mais etc. etc. Donc on a vraiment un gros 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 souci. Mais qui n'est pas dépendant de notre volonté. On est vraiment désolé. Mais on va essayer de faire avec, hein. bon, voilà, c'est parti pour le père Gascogne. Donc c'est un boss qui peut vous tuer très 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 vite. En particulier dans sa deuxième forme. Cette odeur, Il fait faire un mal, mal. Lui, il fait le très très mal. sang parfumé. Surtout qu'il utilise Oh, il chante pour la hache moi. qui est une arme qui Il fait peut rendre malade excessivement mal. un Et il l'utilise bien. Alors, j'ai une question très bête. Au niveau de la distance de l'arme à feu, je suppose, bon, évidemment, que plus tu te rapproches, plus elle fait mal, hein, c'est normal, c'est une question de logique. Ouais. Hein, puisque la balle arrive beaucoup plus vite et donc fait plus de dégâts. Qu'à quelle distance raisonnable tu penses que c'est vraiment efficace d'avoir cette arme à feu? Alors après, je pense que tout va dépendre en fait du build du joueur, mais l'arme à feu
Bah, personnellement, moi, je ne m'en sers que pour stun les ennemis. C'est-à-dire, je ne m'en sers pas pour leur faire des dégâts. Donc, en fait, ouais. Pour répondre à cette question, je pense pas que je sois le mieux placé parce que l'arme à feu, ouais, je m'en sers vraiment pour stun et pour rien d'autre. Quoi. C'est-à-dire. Ouais. Après, je pense qu'à une distance raisonnable, je sais pas comment estimer une distance dans un jeu, mais je pense que s'il est en haut des escaliers, par exemple, et que le boss est tout en bas des escaliers, je pense que ça va commencer à lui faire quasiment plus rien. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc, faut quand même être. Ouais, pour une certaine proximité quand même, quoi, on va dire. Oui, voilà, quoi. Sachant que, après, pour ce qui est de stun un ennemi avec le pistolet, c'est une question de timing, quoi. Ouais. Il faut que l'ennemi ait commencé à faire son attaque, et au bout d'un moment, on arrive exactement à savoir à quel moment appuyer sur le pistolet, et ça se passe très bien, quoi. C'est vrai que dans la deuxième forme, il n'est pas beau, quand même, hein. Non. On voit Rainbow avec le respect et tout. Qui fait sa petite révérence pour remercier le boss de ce combat. Merci de m'avoir donné des sous. Bon, en tout cas, apparemment, pour le son, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air mieux là. Les gens ont l'air satisfaits, donc c'est cool. Puis c'est très embêtant parce que. Très embêtant parce que Rainbow ne peut pas mettre pause, donc ça va être un peu compliqué pour lui de gérer le son. On va y arriver. Hein. Ah, ouais, il est parti pour pas ramasser les coffres non plus apparemment. Non, parce que en fait, vu qu'il l'a déjà fait dans son premier run, les coffres ne lui apporteront vraiment plus rien. En fait. Ah d'accord. Il aura un loot quand même dedans, mais soit il aura déjà la chose. Oui, ça y est, j'ai fini LSK, j'ai fini de bouffer. T'inquiète pas. Les environnements sont vraiment très très bien. Ah mais de toute façon c'est une des directives. Ouais. Quand je l'ai commencé sans conviction et voilà quoi. J'en suis à mon 14e New Game Plus. Et... Oh la vache, Prenez ceci. Et vous, chers membres, vous en êtes où? À combien, hein, de New Game Plus? Donc voilà, chose intéressante, Rainbow vient d'aller voir Alfred, qui est un PNJ. Ouais. Là, il ne le fera pas, mais il y a quelques PNJ dans le jeu, en particulier 3, qui proposent des quêtes. Mmh. Et à la fin de ces quêtes, on peut prêter serment, selon le PNJ, et récupérer une rune qui pourra après être équipée. Quoi. Ok. Là, Alfred, c'est un vilain, si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas sûr, en tout cas tout ce que je sais c'est que là il vient de lui donner des papiers de feu. Et ça permet d'appliquer le feu sur ses armes et donc de faire un peu plus de dégâts. Surtout si les ennemis sont sensibles au feu, ce qui est un peu logique. Alors nous entrons dans les catacombes de Paris. Sikas ne contredira pas. Là il se dirige vers la lampe en fait qui va lui permettre de spawn. Comment ça s'appelle? Il va se permettre, voilà, il va arriver vers le vieux Yharnam en fait. Voilà, il a allumé la lampe. Donc d'accord. Là c'est une nouvelle zone, une zone optionnelle d'ailleurs du jeu. Qui n'est pas obligatoire de faire pour terminer le jeu. Ah parce que il y a des zones qui sont obligatoires par contre. Bah on va dire oui, pour pouvoir avancer dans le jeu, il y a les boss qu'on est obligé de faire, donc avec la zone correspondante au boss. Mais là, à la fin de cette zone, le boss c'est un boss optionnel, c'est le monstre affamé, donc voilà. On n'est pas spécialement obligé de le faire. Sauf bien sûr si on veut le trophée correspondant à ce boss. C'est pourquoi je dois vous arrêter. Ouais, ok, ouais. Bon, c'est vrai qu'il est quand même... Artistiquement, c'est bien foutu, quoi. Ah, c'est plutôt marrant, là on voit que Rainbow se fait tirer dessus par une sorte de... On voit des projectiles qui... En fait, il y a un PNJ qui se trouve tout en haut d'une tour avec une Gatling, une grosse sulfateuse. Et dans cette zone, quand vous arrivez dedans, il n'arrête pas de vous tirer dessus. D'ailleurs, ça peut vous tuer en quelques secondes si vous restez trop sous le feu. Et bon, la Rainbow n'ira pas s'en occuper, mais normalement, dans le jeu, la première fois, on y va, on le tue.
Eh oui, mais après il y a le repérage. Le repérage qui fait effet. Ouais, il a l'air vaste hein, quand même, hein, parce que il court hein, depuis tout à l'heure, Rennes. Hein, il Ah court. Hein. bah, Le la première furet. zone est une des zones les plus grandes. Hein. Ça, c'est clair. Là, d'ailleurs, petite subtilité, la Rainbow monte à l'échelle pour pouvoir ouvrir un raccourci qui lui permettra, en fait, si jamais, bah, je pense que c'est pour ça, si jamais il devait venir à mourir devant ce boss, qui peut être aussi parfois assez méchant, il n'aura pas besoin de se retaper l'intégralité du chemin. Ah, ça va le remettre directement au raccourci en fait, c'est ça? Non, en fait, on respawn toujours sur la lampe qu'il a allumée au début de la zone. Ça, c'est les points de respawn. Il n'y a aucune possibilité de respawn ailleurs. Mais Ouais. par contre, on peut s'ouvrir des raccourcis qui permettent de réduire grandement le chemin jusqu'au boss, quoi. Ok. Sachant que dans la zone où il se trouve, le raccourci le plus ultime, il est un peu plus loin. Ok. C'est une Bonsoir, simple DC porte à Marvel. ouvrir et voilà. Salut DC Marvel. Bienvenue à toi. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, nous avons 34 spectateurs actuellement. C'est plutôt pas mal, hein, parce qu'apparemment, il y a un match, apparemment, il y a Koh-Lanta, etc., etc. Et en plus, c'est un vendredi férié, Oui. donc voilà. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, 34. Salut, pilote! Oui. Salut pilote. Ouais, effectivement, les temps de chargement ont été vachement améliorés, hein. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire de cette tombe là? J'ai pas compris là. Il a Ah, la ramassé tombe un en fait, truc en c'est là fait, Ren là? où la tombe en fait, c'est là où on choisit la zone sur laquelle on veut spawn en fait. C'est-à-dire à chaque fois qu'on finit une zone, une lampe s'allume, ben on l'allume nous-mêmes d'ailleurs, et Ouais. ensuite une ligne apparaît sur la pierre tombale. Et lorsqu'on revient dans la zone où il se trouvait, c'est-à-dire que c'est une sorte de hub, c'est l'endroit où on peut acheter nos armes, les améliorer, c'est notre endroit à nous, quoi. Et Haha, après on peut Todd. revenir par ces pierres tombales, on peut choisir exactement où on va respawn, dans quelle zone. Voilà. D'accord, ouais, ok. Je pense que Je c'est crois un que New Game oui. Plus. Je crois que Ouais. oui. À la base, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Et nous sommes passés à 45, comme notre charmante cicale me le dit à l'oreille. 45 suivis quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. 43. On perd. Viens dé! On mord pas. On offre même le pinard. Voilà, voilà Rainbow qui prend le raccourci qu'il a ouvert quelques secondes avant. Ouais, Hiro, complètement, ouais. C'est plus simple, mais les ennemis font quand même plus mal, quoi. On a pu constater tout à l'heure que Rainbow s'est retrouvé coincé par trois des gentilles bébêtes qu'il est en train de combattre et si on s'est coincé par deux, trois bestioles en même temps. On est vite mort. Alors Bonsoir voilà, des Rainbow vient de gigouilles. récupérer donc ses échos du sang qu'il avait perdu juste avant en mourant. Il les a récupérés parce que c'était le petit mob qui les avait ramassés. Donc voilà, en le tuant, il les a récupérés. Alors toi, bête là, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire maintenant, Ren? Là, bah là, il va directement courir sur le monstre affamé, je pense. Même si moi à ce niveau-là en général j'ouvre une porte qui est le raccourci le plus rapide pour arriver au boss. Donc je pense qu'il va le faire aussi. C'est dans la petite porte qui est à sa droite, les escaliers. Il y a un loup qui va Ouais. sauter. Voilà. Et ouais, je pense qu'il va y Ouais, je aller. pense Sinon qu'il est il parti pour perdrait le pas son faire, ouais, temps à le tuer. effectivement, ouais. Voilà. Ouais. Ah, il y va, hein. Ouais, il y va. C'est une simple porte à ouvrir, mais ça permet de sauter en un saut, d'arriver là en Ouais, de fait prendre un dès raccourci, le début de quoi. la C'est zone. vraiment un Voilà. raccourci. Mais celui-ci est vraiment. Ah oui, malheureusement, oui, pour la qualité de la Ah, vidéo, la qualité, ça va être un peu toujours un compliqué, peu oui, compliqué. malheureusement. On n'est pas tous à la même échelle et la même enseigne pour ça, et oui. On aimerait bien hein, vous présenter une super vidéo et tout, mais malheureusement, le problème, c'est que...
ça dépend vachement des opérateurs. C'est vrai que j'ai jamais autant regretté de pas avoir la fibre, ça c'est sûr. Bah DC Marvel, écoute, oui, apparemment il est très très bien. Par contre, je vais laisser parler un petit peu Beto par rapport à ça. Est-ce que le jeu... Ouais, voilà. Je pense que moi, je pense qu'il faut s'accrocher quand même, hein. Oui, il Rainbow faut qui est en train de faire s'accrocher. le Twitch actuellement, en fait, nous dit bien que... nous a bien dit à travers un podcast récent que vous pourrez trouver sur Jeux Vidéo Live, que il est quand même accessible à tout le monde, mais qu'il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Je pense que ça résume à peu près bien. Maintenant, Beto, je vais te laisser parler pour dire à peu près ce que t'es pensé par rapport à ça. Bah, en quelques secondes, même si je pense que j'ai pas été très... Et qui procure beaucoup de frustration au début. C'est-à-dire on meurt, on revient, on perd le petit qu'on avait réussi à gagner, on recommence, on meurt, on revient, et ça arrive très souvent. Mais une fois cette phase de frustration passée, on arrive à mourir et on s'habitue à la mort, et en fin de compte, on prend du plaisir à toujours vouloir aller plus loin et découvrir les prochains boss, les prochaines zones, qui sont artistiquement parlant, comme je le disais, pour moi en tout cas, toujours aussi magnifiques, quoi. Ouais. Mais bon, je dois pas être très objectif par rapport à ça. J'avoue. Ah bah, y a pas que toi, y a pas que toi. Bonsoir, Brontosaure. Salut, Brontosaure. Il y a une question que j'ai loupée. Parce que ça a monté très très vite d'un coup là. On est remonté à 45. Yeah! Ah ouais, mais ça, Ah, c'est non, c'est Cyril. pas possible. Oui, non. Pas possible. Non, non. Par contre, je te ferai boire du sang dans quelques temps, Cyril, t'inquiète pas. Ah oui, c'est juste ici, exact. Mais du bon sang, hein, pas les rouges, du bon sang. Private joke, pardon. Donc, par contre, petite particularité du boss que Rainbow est en train de combattre. Déjà, je note, j'ai oublié tout à l'heure, Il y a je de n'ai pas pu le dire, l'assistance là. mais il a fait appel à. Donc c'est le boss que je disais qu'il pouvait se faire aider par un PNJ. Donc il l'a Oui. appelé. Ce PNJ c'est Alfred. C'est le PNJ qu'il est allé voir juste avant dans la zone pour coopérer avec lui. Et c'est lui qui lui a donné ses fameux papiers de feu. Ouais. Donc Mais voilà, il peut ce l'appeler sera qu'une fois. le. Voilà. Là il peut l'appeler. Non, en fait il peut l'appeler. S'il meurt, il pourra le rappeler au prochain coup aussi. Mais Ouais. c'est Non, je que veux dire, vraiment que s'il ne pour meurt ces deux pas. boss là. Donc. Enfin, Ah ça, oui, c'est s'il dans le sens ne. où s'il ne meurt pas, il pourra l'appeler qu'une fois. Voilà, exactement, ouais. Ok. Après, ce boss a la particularité de se servir de poison. C'est-à-dire, il peut vous empoisonner. Il y a deux sortes de poison dans Bloodborne, le poison lent et le poison rapide. Et ce Ouais. boss peut aller très 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 vite à vous tuer s'il arrive à vous faire une attaque donc avec ce fameux poison. Et encore maintenant, il m'arrive de mourir par excès de confiance Ouais, ça face à arrive. lui. Ah, tu dis ouais, c'est bon, Pareil. il reste pas beaucoup de barres de vie. Allez, j'y vais, c'est bon, je l'achève. Et c'est là que tu te prends une sorte de contre-attaque, on va dire, qui fait bien mouche, quoi. Et oui, Exactement. Par c'est contre, moi, je toujours le pense qu'il y a une problème, ça. question pour toi sur une question de Deno. Voilà. Est-ce que JBL a une web TV? Non. Non. Non, on fait des émissions, on a une chaîne Twitch, mais voilà. On n'a pas vraiment de web TV. Parce qu'on peut pas techniquement assurer 24h sur 24 une web TV en fait. C'est peut-être à discuter. On verra. On va en parler en interne. Pourquoi pas. Alors voilà, petit détail pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Rainbow vient d'aller réparer son arme, parce que les armes ont une durabilité limitée. Et Ah, je savais pas ça. lorsque l'arme, en fait, on s'en sert beaucoup, l'arme perd donc en durabilité et du coup elle fait Bonsoir, beaucoup moins de Bidule. dégâts. Donc voilà. Salut Bidule. Et vive les chats. Ah ça, par contre, je savais pas, tu vois, que les armes avaient Salut un Pat. côté destructible comme ça, en fait.
Oui, bah, je l'ai découvert. En fait, ça se découvre dans le jeu, Sors hein. patte. La première fois, on ne la répare pas, donc on tape, un petit message s'affiche à l'écran qui nous dit que l'arme va bientôt être donc détruite. Enfin, pas détruite, mais en fait que l'arme va perdre en durabilité. Et lorsque l'arme tombe à Ouais. zéro, et là, par contre, elle fait quasiment plus de dégâts, quoi. À la place de deux coups pour tuer un mob, il va falloir en mettre huit. Donc on Ouais. sent vite la différence. Ouais. Ok, je vois. Personnellement, je Ouais, les répare à t'as. chaque fois que je reviens dans mon raid. T'as Toutes les beaucoup je les moins répare tout le temps. de force et de résistance, en tout cas au niveau de l'arme, Exactement. quoi. C'est un peu ça le truc, Voilà, quoi. c'est Ouais. ça. Ok, donc Sachant que plus Ren. l'arme est abîmée, et plus ça coûte cher à réparer. Ouais, forcément. Donc, Ren, je viens de repenser au message. Tu as eu un courage minou ou un truc comme ça de la part, je pense, de quelqu'un que tu dois connaître sur Bar-le-Duc. Allez, copilou, voilà, c'était ça. Voilà, j'ai retrouvé ce que c'était. Bonsoir, Nicox, bonsoir, Brahms. Bah si j'en reparle, c'est que je m'en suis rappelé, non? Hein? Je ne sais pas, mais bon. Je suis assez Gna gna gna. étonné que Rainbow tue ces gens. Apparemment, il veut les tuer quand même. Ok. Alors, est-ce Oui, que alors Rainbow donc a oui. acheté la clé? Parce que moi, personnellement, j'oublie toujours de l'acheter. Ah bah, il l'a acheté. Ok. Oui, donc. Ok. Donc voilà. Elle est motivée, hein. Il est bien, Ren, là. Donc Il est voilà, bien, il est donc à fond. pour répondre à Cicabs qui pose la question par rapport à la clé dont Rainbow vient de se servir pour ouvrir la porte, s'il ne l'achète pas, il ne pourra pas passer donc par le chemin qu'il a emprunté à l'instant. Il existe une autre possibilité pour arriver derrière cette porte, mais c'est un peu plus compliqué. C'est nettement plus simple d'aller acheter la clé qui est disponible au magasin tout de suite, dès le début du jeu. Donc voilà. Ah mince, Et qui pas coûte de bol 10 000. là. Oui, le mob qui vient de le tuer, c'est un mob, en général, en deux coups, il vous tue. Peu importe que vous soyez niveau 300, 200. Et voilà. C'est un peu l'effet, Dark Souls. je suis, 332. Pardon, ouais, je suis donc niveau 332 pour répondre à Cicaps. Eh ben, Lyon, Et petite respect. précision, pour ma fierté personnelle, je précise juste que je n'ai utilisé aucun glitch, parce que le jeu donnait la possibilité de glitcher à ses débuts, je l'ai appris plus tard, ce qui permettait Ouais. de multiplier les échos du sang à l'infini, et donc de monter en niveau sans ne serait-ce que se battre du tout, en utilisant ce glitch. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Et donc voilà. Ah désolé Todd, pardon, désolé, c'est notre faute. Mais c'est bien, je préfère que tu sois avec nous plutôt que devant le match. Mais bon, non, je rigole. Pardon Todd, bon match à toi. Et peut-être à plus tard. Alors pour répondre oui donc à Cicabs qui me demande si j'arrive encore à trouver des gens pour le multi, si je fais sonner, donc si je fais sonner ma cloche qui me permet donc justement d'appeler des gens pour m'aider, je trouverai des gens. Si ces gens, il faut que leur niveau soit de 10% plus ou moins 10 niveaux par rapport au mien. Donc c'est un petit calcul qui est vite fait. Alors, il y a quand même des gens, ben, en général, quand je tombe sur des gens, c'est souvent des gens qui, justement, ont glitché, quoi. C'est-à-dire, Ouais, ils ont un qui ont peu passé tous bougé ces quoi, on va niveaux, dire. voilà. Parce que ça coûte très cher maintenant. Là, au niveau où j'en suis, pour passer un niveau, je dois donner 1 million, à peu près 1 100 000 échos. Ouais. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et là, j'avoue que les niveaux montent plus doucement. Mais je lâche pas l'affaire. Faut pas, faut pas. Sachant que le niveau maximum dans le jeu serait de 544 d'après ce que j'ai compris. Donc Ah, t'en es pas on très va bien loin, hein. voir. Bah, ça reste quand même mon but. Puis de toute façon le jeu est tellement bien. Enfin bref. Ouais, alors donc Brahms qui en est à son. Brahms, c'est un petit peu comme notre petit Gutemann, hein. Il en est encore à son premier Cyril. boss, lui, hein. Donc qu'est-ce qu'on Ah peut lui non, Cyril indiquer a comme tué deux conseil pour boss le déjà. passer le premier? Oui, c'est vrai qu'il les a eu, oui, c'est vrai. Ouais.
Bah, le conseil, c'est. Le conseil, donc, pour Brahms. Ah non, bah, Brahms vient de tuer son premier boss, justement. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin de conseil, parce que du coup, il l'a Ah déjà oui, tué. donc c'est pour le deuxième alors du coup. Donc, voilà. Et pour le deuxième, c'est toujours la même chose. C'est. On arrive devant le boss, on essaye de repérer son pattern, ses attaques, le bon timing, et on y retourne après être mort une fois ou deux, sûrement plus parfois. Et voilà. Et là, Rainbow va commencer le combat contre Amelia. Amelia qui est très sensible au feu. Donc Rainbow vient d'enflammer son arme, exprès. Et Amelia est un boss qui, bah, comme beaucoup de boss d'ailleurs dans le jeu, peut faire très 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 mal. Et donc, toujours pour répondre à Cicabs qui me demande si je suis un habitué des Souls, et Elle est à fond, j'avais Cicabs, hein, fait ce Endless soir. Hein. Je sais pas Island. ce qu'elle a, mais elle est énervée un petit peu. Et ben bizarrement, je risque d'en surprendre quelques-uns, mais je n'ai fait aucun Souls. Je n'avais jamais joué à Dark Souls ni à Demon Souls de ma vie. Lords of the T'as Fallen, encore. ah ouais, au passage, petite dédicace. Voilà, ça va, Et salut. donc voilà. En gros, pour aller même encore plus loin dans la description, lorsque j'ai commencé Bloodborne, je n'avais jamais joué à un RPG action de ma vie. En fait, c'était mon tout premier. Alors, je coupe 2 secondes la conversation. Donou nous demande si on compte faire un run sur Metal Gear Solid 4 ou Metal Gear Solid 4. Le 4 peut-être pas parce que la PS3 permet pas forcément un Twitch. Ça va être compliqué. Par contre, sur le 5, c'est bien possible qu'on puisse le faire, ouais. Bonsoir Vagabond 93 200. Ah bah je crois savoir qui tu es. Par contre alors attends, c'était quoi la question Beto à laquelle t'as répondu? Ah oui, Demon's Souls. Donc Demon's Souls, si tu le veux je l'ai, hein. Donc si t'as encore ta PS3, y'a pas de problème, je te le passe au rasso, hein. Pourquoi pas, mais bon, la PS3, j'ai plus trop accès vu que j'en ai fait hériter mes enfants. Eh oui, Donc il faut voilà. les éduquer en même temps, hein. C'est normal. Exactement. Ok. Ouais, donc Cicat nous dit à l'oreille, hein, parce que nous on l'a à l'oreille en même temps qu'on vous lit. Nous dit que pour Lord of the Fallen, elle pourra nous aider, hein, évidemment. Oh papaf! Bisous ma poule. Salut papa! Et par contre, petite subtilité, je précise, Rainbow vient de aussi de savoir, c'est que le boss que Rainbow combat, et c'est ce qu'il est en train de faire juste maintenant, a la possibilité de régénérer ses points de vie. Et Rainbow vient de lui jeter dessus donc de la brume engourdissante, ce qui bien sûr bloque cet effet et l'empêche totalement de régénérer ses Mais il points n'y de a vie. pas qu'elle, non? J'en ai vu d'autres, je crois, en vidéo sur YouTube ou peu importe la chaîne, qui pouvaient se régénérer en fait quand ils avaient une petite barre, en fait. Quand ils n'avaient plus beaucoup de vie, bam, ça se régénérait un petit peu pour, entre guillemets, faire continuer un petit peu le combat, quoi. Au niveau des boss, principaux du jeu, il me semble, je crois que c'est vraiment Amelia qui est la seule à se régénérer comme ça en fait. Après, Ah ouais, lorsqu'on bah c'est tombe peut-être pas des contre des boss après, je chasseurs, sais pas, moi je connais pas les voilà, persos donc je c'était peux pas peut-être en dire, fait mais des chasseurs. Parce qu'il arrive qu'on tombe contre Ah des gens comme peut-être nous, oui. c'est-à-dire des chasseurs, et eux, bien sûr, peuvent utiliser des fioles tout comme nous pour se soigner. Donc, c'est en général les personnes les plus dures à battre, les meubles les plus durs du jeu d'ailleurs. Ouais. Ouais. Rennes, oui. Ren est un fan de MGS. Oui, Ren. Je l'ai été, ouais, je l'ai été, mais j'ai un peu lâché l'affaire, faudrait que je m'y remette, mais Et voilà, un boss de moins. Bravo RT. c'est pas grave. Tu as le droit? On est vendredi. L'épée de Ludwig, alors là, oulala, je l'ai eu il y a tellement longtemps. Comment est-ce qu'on chope? Allez, rappelle-toi, souviens-toi l'été dernier. Oui, j'essaye, mais on va dire maintenant les armes, je veux dire, c'est devenu tellement normal que je les ai. Qu'en fin Hiro, de c'est compte, prévu aussi ça. l'épée de Ludwig, l'épée de Ludwig.
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors il est en train de chercher des trucs. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il change de zone? Non, il change pas de zone. Oui, là. En fait, l'épée de musique s'achète lorsqu'on spawn donc au faubourg de la cathédrale, donc c'est là où Rainbow se trouve. Ah mais papa, t'es invité cordialement sur Rainbow Six, hein. Très bien. Il y a un petit chemin à prendre, on récupère le badge, et c'est bon. Adieu, brave chasseur. Ah mais sans problème, Hiro. Le chemin, ça serait compliqué. Voilà, c'est en fait, il faut vraiment avoir le badge. Ouais. Pour acheter, d'ailleurs, pour la plupart des armes, il faut un badge. Les armes correspondent à des badges... qu'on peut looter dans les zones. Et donc, voilà. D'autres armes peuvent se trouver telles quelles, déjà toutes faites, on a l'arme directement. Et pour certaines, on trouve des badges qui permettent après de les acheter au magasin, en fait. Et sans le badge, on n'y a pas accès. Pas que. Pas que NFS. Papaf d'ailleurs qui est très bon à NFS, je précise. Très grand joueur de NFS. Ren doit être 212, ouais je crois que c'est ça, ouais. Oui. Rainbow est level 212, je confirme. Ah bah oui Hiro, sans problème, de toute façon je pense qu'on fera deux teams. Hein, parce qu'on est quand même pas mal à jouer sur la PAF, donc je pense que ouais le futur Rainbow Six devra tirer du monde quoi. In your face. J'étais sûr que c'était toi. Salut Eldino, salut Seb. Salut. Alors où est-ce qu'il en est exactement là? Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu bête parce que nous on est. Donc là Rainbow va se diriger vers la zone qui s'appelle Elmwich Channel Lane. Je suis pas spécialement sûr de l'avoir bien prononcé. Pour aller tuer un boss optionnel. Voilà, Elmwich Channel Lane. Voilà. Il va tuer le boss optionnel. Bien. Bah forcément avec une Face qu'on veut que je te reconnaisse pas Fonda. C'est de mémoire, ouais. D'ailleurs je pense que le combat contre le boss va être plutôt rigolo parce que c'est certainement un des boss les plus simples du jeu. C'est assez bizarre d'ailleurs quand on voit les autres. Et vraiment, boss très simple à venir dit Fonda hein, curieusement. Bah hein, oui, donc, c'est exactement ce que je disais, voilà. Et Fonda le sait très bien, quoi, parce qu'il hein. a eu aussi le platine. Ah ouais, articulé. La platine. T'as eu platine. C'est le boss, lorsqu'on arrive devant la première fois, on se pose des questions parce que on n'arrive pas à comprendre, on se dit qu'il va y avoir un piège, que c'est pas normal qu'on puisse le tuer aussi vite, et finalement non, on le suit, c'est tout. Ah c'est bizarre dans ta conception d'ailleurs. Vis-à-vis du jeu en général, c'est plutôt curieux. C'est assez curieux, il y en a en fait exactement, il y en a deux dans le jeu comme ça. Un que vous verrez un peu plus tard, et donc le premier que vous allez voir dans pas très longtemps. Sachant que le deuxième sera peut-être même encore plus simple que celui-ci. Ouais. Donc la Rainbow, toujours pareil, vient d'activer un petit ascenseur, un raccourci, qui lui permettra, dans le cas d'une mort, de revenir plus vite ici. Ah, faut quand même vachement repérer, hein. C'est incroyable, hein. Les raccourcis et tout, c'est hallucinant. Ah, les raccourcis, c'est juste primordial, quoi. Bon, en speedrun, non, parce que si on est vraiment sûr de soi et qu'on arrive à... qu'on est vraiment certain de pouvoir tuer les boss du premier coup, les raccourcis, ça ne sert à rien, mais personnellement, même moi qui suis toujours dans mes New Game Plus, je les active à chaque fois. Parce que je sais qu'on y arrive, Hiro, je réponds à ta question, parce que Hiro pose la question, il peut se redonner de la vie tout le temps, tant qu'il ça en a, ça correspond au chiffre 18 qui se trouve sur l'écran en haut à gauche, c'est le nombre de fioles de vie, là il en reste 18 en fait, voilà. Ouais, une fois qu'il a pris 18 en fait, il peut plus quoi, hein. Ah, c'est des fioles de sang d'ailleurs, pas des fioles de vie, c'est du sang, il se soigne à base de sang, voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, c'est la potion quoi.
D'ailleurs, c'est qu'on n'a pas parlé de ça. Donc, le chiffre 18, c'est donc les fioles de sang qui lui restent. Le 20 en dessous, c'est les balles pour son pistolet, les balles de vif argent. Ensuite, à droite, vous voyez marqué antidote. Il a 10 antidotes sur lui. Ça, il peut le switcher en, avec les flèches, avec la croix directionnelle. Et il a plusieurs composés qu'il peut se mettre à disposition. Donc là, il est sur antidote. Et, mais il peut choisir lui-même quoi mettre en fait. La grosse barre en haut, c'est sa vie. Et la petite barre en dessous, c'est son endurance. Voilà. Ouch. Tu vois, avec Salam, lui, hein, en face, là. Hein. Il a pris un petit coup, hein, Ren, là. Ah, un joli petit ragdoll, là, avec le... Ouais, le boss ouais, a un petit peu... Ouais, ouais. Ah bah pas de problème papaf, on fera ça, aucun souci. Donc voilà, encore un petit raccourci à activer. Là au niveau timing il est comment là? Tu le sens comment Béton? Là bah, franchement bien, non, c'est plutôt... non c'est très bien là pour l'instant. Il enchaîne les, ouais. Les boss, tout se passe plutôt bien, oui pour moi c'est plutôt bien parti quoi. Ok, allez Ren, allez Ren. Là il est d'ailleurs déjà arrivé au boss là, lorsqu'il sera rentré dans le petit bâtiment qu'il y a derrière. Il ouais. va déclencher la phase avec le boss, en bas des escaliers. Alors, DJDoug nous pose la question suivante. Le niveau de difficulté du jeu est-il personnalisable? Excuse-moi, c'est Caps. Hein. Ça, par contre, je n'ai pas testé. Je sais que, en fait, chaque New Game Plus, en fait, est plus compliqué que le précédent. Et ouais, mais t'es plus après, armé, non oui, parce que forcément, vu que tu gardes toutes tes armes et tes compétences... que tu as donc débloqué avant. Ouais. Et... Mais par contre, il semblerait que le jeu soit bloqué, c'est-à-dire lorsqu'on est à notre sixième New Game Plus, il semblerait que ce soit la difficulté maximum. Après, la difficulté n'augmente plus. D'accord. Donc, d'après ce que j'ai compris, quoi. Après, ouais. Au début, lorsqu'on choisit notre personnage et qu'on le personnalise nous-mêmes, on peut choisir des classes qui sont pour rajouter plus de défis, des classes comme la classe Gashi, dont une vidéo avait été postée sur JVL d'une personne qui avait fini le jeu avec cette classe. C'est une classe sans XP, sans rien, c'est vraiment le vrai défi de finir le jeu comme ça. Ok. Alors par contre là je viens de voir un truc intéressant à l'écran, c'est que Ren il a parcouru les barriques éparpillées sur le sol là. Les fameuses barriques là, ça donne des trucs ou... Parce alors, que j'ai vu qu'il il a été les voir pour les détruire en fait, donc Oui non, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé un peu rigolo et presque un peu triste dans le jeu. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments destructibles dans le jeu, comme vous avez pu constater donc avec les barriques, mais elles ne contiennent en fait jamais rien. Ça peut arriver, il peut arriver parfois qu'un loot se trouve derrière les barriques. Ne contient rien. C'est purement du décor en fait. Effectivement, c'est un boss un peu curieux celui-là. Hein. C'est Oui, c'est un boss. T'as l'impression qu'il t'attaque jamais, que t'as juste à le taper et basta quoi. Hein. Il a quelques petites attaques, mais en fait c'est une sorcière. C'est-à-dire que, en gros, sa particularité c'est qu'elle peut faire, qu'elle peut générer. Donc vous voyez les sortes de mobs là qui se promènent. Ouais. Et donc voilà. Okay, ouais. La Rainbow vient de tuer la sorcière, mais bien sûr, comme on est dans Bloodborne, il y a une surprise. Il va y avoir une jolie petite barre de vie qui va apparaître. Et une deuxième sorcière, voilà. Ah oui. Les fameuses sorcières d'Eastwick. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un petit parallèle. Ouais. Bah oui, c'est un petit clin d'œil, hein, forcément. C'est obligé, vu le nom. Voilà. Ouais, pour moi, c'est vrai. Donc là, si on arrive à tuer assez vite la sorcière, donc celle qui vient d'apparaître et sa deuxième barre de vie, ça peut aller très vite. Mais par contre, si on met un peu trop de temps à la tuer, celle qui est déjà morte va récupérer un peu de vie. Donc, ah d'accord, okay, les deux sorcières à tuer, okay, ouais. Et ainsi de suite, ouais. Quoi, en fait. Mais bon, c'est okay, un boss okay. Sur lequel on a quasiment aucun risque de mourir, a priori. Donc ça voudrait dire que... Et donc... Donc ça voudrait dire en gros que tu pourrais avoir deux sorcières en même temps. C'est-à-dire que si tu mets trop de temps à battre la deuxième, là, la les première deux sont, se régénère là, les deux, et du coup voilà. Ouais, ok, là, ouais. Comme tu peux alors, le voir, les deux barres de vie ont commencé à se remplir. Nikos, pour te répondre, je vais attendre que Sikas me redise le truc parce que du coup j'ai pas tout lu, j'ai lu vite fait donc. Ouais. Ouais. Et ben c'est complètement ça donc.
Et bah donc Cicaps a parfaitement résumé la chose à l'écrit, hein, je vais te lire à l'oral maintenant. Donc effectivement, Beto et moi commentons à l'oral, Rainbow a coupé son micro. Coucou. Et un petit peu son casque pour être un petit peu esselé dans ce monde barbare. On va dire ça comme ça. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs, parce que le jeu est quand même assez exigeant. Et voilà, donc, et voilà. Et donc on a Cicaps qui nous accompagne autant à l'écrit que nous au niveau sonore, puisque comme elle l'a bien dit, bien joué, RT. Elle est sonoriquement sur Vita et malheureusement elle est sur la partie, mais on ne peut pas traduire sa voix sur le Twitch. C'est un truc technique malheureusement qu'on gère pas. Donc désolé, et effectivement, bravo Rennes, pour avoir battu la sorcière. Oh, c'est beau, Hiro, il y a du soleil. Hiro qui dit un Galahorn dans sa gueule et on n'en parle plus. Donc Galahorn qui est quand même l'arme la plus puissante dans Destiny. Merci du petit parallèle, ah, Hiro. Ah d'accord, ouais. Ah, mais nous, si tu le dis, on te croit, hein? Non, mais il gère, oui. Papa, Desti Mi. quoi? Jeu sur lequel on a passé beaucoup d'heures. Bon, certains plus que d'autres, mais beaucoup d'heures. Ouais, et puis Sans sur Destiny, commentaire. t'es jamais seul, hein? Exactement. Merci. Mais je t'en prie! C'est vrai qu'avant Bloodborne, c'était Destiny qui m'avait un petit peu accaparé, j'avoue. Platine! Platine! Donc, c'est Cicaps qui demande si Rain doit faire des calices pour le run. Donc, non. Aucun calice à faire. Les calices sont totalement optionnels dans le jeu en soi-même. Et mais ils ne sont obligatoires en fait que pour le platine. Et aussi si on veut les farmer pour récupérer des gemmes plus puissantes, puisque en fait les gemmes les plus puissantes qu'on peut équiper sur nos armes se trouvent dans les calices. Donc aucune obligation de les faire à moins de vouloir monter un personnage un peu plus puissant. C'est d'ailleurs ce que je fais. Alors, en ce Beto, moment. Beto, par rapport aux calices du coup. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux les faire ou est-ce que finalement on s'en fout Bah c'est comme je le disais quoi, pour le platine c'est obligatoire. C'est même assez pénible d'ailleurs. Oui, mais hors trophée je veux dire, est-ce que au niveau. Hors trophée c'est nécessaire seulement pour les gens qui comptent jouer au jeu longtemps. C'est-à-dire parce que les calices les plus durs, donc ceux de niveau 5 et encore parce qu'ils modifiés donnent ce qu'il avec faut des pour améliorer, etc. quoi. Voilà, ouais. Exactement. Ça permet d'avoir des armes après vraiment bien boostées quoi. Moi j'ai fait énormément de calices et franchement j'en fais toujours encore maintenant. J'en ai fait avant de venir vous rejoindre pour récupérer des gemmes. Ouais. Et d'ailleurs par rapport aux calices, je précise que sur JVL, il avait été donné le lien en news. D'un tableau récapitulatif des calices et du loot qu'on peut y trouver. Tableau dont je me sers d'ailleurs encore maintenant. Donc, ah ouais, alors on a Fonda, donc Vagabond 93-200. Il est con celui-là. Qui nous demande qui nous dit que le challenge au niveau calice, je suppose, c'est le vicier. Ah, le fameux calice vicier, oui. C'est-à-dire que pour le platine, on est obligé de passer par ce calice vicier. Donc c'est un calice de niveau 4. Sachant que le plus élevé c'est niveau 5. Mais la particularité de ce calice, c'est qu'en fait on ne possède que la moitié de sa barre de vie dans ce calice. Ah dans d'accord, un jeu comme Bloodborne, on a vite fait de se rendre compte que la moitié de sa barre de vie, on est très très vite mort. Les trois quarts des attaques, pour pas dire 90% nous OS. Donc le calice vicié, c'est quelque chose dont on se souvient longtemps, même après le platine. Ah papa, oui, faudra que oui, avec Schmitt, hein, parce que apparemment vous êtes moins bon. Donc voilà. Mais le calice vicié, c'est un truc à faire obligatoirement quand même. Alors du coup. Uniquement, toujours pareil, par rapport au trophée. Sinon, aucune obligation.
Ouais, aucune obligation. Mais il est bien joué, je veux dire, au niveau challenge, Ah, on va etc. dire que là, Il est niveau bon, quoi. challenge, ça en rajoute. D'ailleurs, par rapport aux calices, les calices que je fais moi en ce Merci moment, c'est des Citaps pour calices le lien. uniquement comme ça. C'est des calices avec D'accord, marqué de ok, la barre de vie. ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte alors ces fameux donjons calices? Donc on est bien d'accord que c'est des donjons qui sont procéduraux, c'est-à-dire que c'est des donjons que tu as pu faire entre guillemets de façon normale. Tu retournes le faire et bam, les pièces elles changent ou il y a un truc en plus du genre comme tu le disais la Non. barre de vie qui se diminue de moitié ou des choses comme ça. Mais je sais pas quoi. Bah, c'est un peu Comment spécifique ça en se passe fait. au niveau des calices en fait? Parce que lorsqu'on crée un calice, donc on le crée, on a des pierres tombales qui se situent dans notre hub, on va dire. Et là, on crée un Oui, calice, et une fois qu'on l'a créé, donc on le parcourt, ça va de 3 à 4 niveaux, donc avec 3 ou 4 boss. Et bisous lorsqu'on a fait papaf, ce calice bon et qu'on l'a Koh-Lanta, terminé, bye et bye merci d'être papaf. passé. Et en fait, ce calice, si on y retourne après l'avoir fait, en gros, ce sera la même chose. D'accord, ok, Il n'y aura ouais. pas de différence. Mais par contre, il y a des calices racines. Et les fameux calices racines, eux, par contre, le loot est complètement aléatoire dedans et peut changer du moment où on le crée. Lorsqu'on y retourne après, en le recréant une deuxième fois, on y retourne, les loots sont totalement différents. Et les pièces peuvent changer, c'est 100% aléatoire après, quoi. Les fameux calices Bisous racines. Hiro, Bisous, bon Koh-Lanta Hiro. à toi aussi. Et merci d'être passé, c'était sympa. Donc voilà, Hiro qui vient, non Hiro, pardon, Rainbow qui vient Ren. de récupérer la convocation à Kanehurst, qui lui permettra de rejoindre la zone donc, du château de Kanehurst, ça ne s'invente pas, et histoire d'aller affronter ce cher Logarius, qui Donc oui, est un on est boss sur optionnel, PS4, hein, je mais précise. Hein. intéressant. Et On est dans Bloodborne les est une temps ou pas exclue là? PS4, oui. C'est l'une Ouais, et sur des plus belles PS4, hein, exclus PS4, complètement. je pense. Ouais. Ouais. Mais bon, à mes yeux. Donc comme vous constatez maintenant, il a deux pierres tombales. Donc voilà, après les zones en fait se dispatchent entre les pierres tombales selon la zone en fait. Ouais, il est bien Beto, hein. Moi j'aime bien et il est cool là. Ah ben, merci Vagabond. Oui, en fait, je suis à l'aise parce que c'est un jeu, voilà, que je connais et Ah, que tu le j'aime. connais, tu le cultives en même temps, Ah tu l'as planté dans ton jardin et tout, il en a fait des petits, voilà. ouais. Il a fait C'est un petit 14 peu petits du coup, ça. puisque t'es à ton 14e run, enfin, en tout cas de ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais... Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé le 15 tout à l'heure, un peu avant de vous rejoindre, en fait. Bah, tu as bien fait, comme ça t'a remis un petit peu dans l'ambiance, parce que c'est vrai que tu avais un peu oublié le jeu, hein, depuis un mois t'y jouais plus, donc je comprends que Ouf. tu... Alors, T'as ce eu moment, c'est te plutôt, on va dire, réimprégner un petit peu de un run par l'atmosphère, de jour, quoi. l'ambiance. Je comprends tout à fait. Alors, Die Tonight, donc LSK, hein, qui fait partie de la rédaction P3 Jeux Vidéo Live, pardon, je vais encore me faire engueuler, qui nous dit comme ça, il y a également le guide de Future Press, qui a l'air impressionnant. Par contre, qui est en complet anglais. Voilà, malheureusement. J'en ai entendu parler, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'en ai entendu parler. C'est vrai que les gens en disent un plus grand bien. Les 58 personnes qui nous suivent, c'est pas mal, hein. C'est bien pour un long week-end avec Koh-Lanta, match de foot, etc. C'est pas mal, hein. Vous êtes grand, vous êtes beau. On a bossé à 56, ah non, c'est pas bien. Moi, je m'écrase alors, hein, parce que dès que je parle, ça baisse. Donc justement, donc voilà. Et donc voilà Rainbow qui vient d'arriver donc au château de Kanehurst. Et Ah, Seb. c'est une des zones que je trouve les plus belles dans le jeu, artistiquement toujours pareil, même graphiquement. C'est un grand château. Ouais. Et lorsqu'on y va la première fois, il y a beaucoup de choses à faire dedans pour récupérer en particulier une arme qui s'y trouve. Si je ne me Moi, ça me trompe fait pas, penser au c'est le Reiter Palace. l'entrée me fait penser un peu Et au jardin Evelyn. japonais de Kill Bill, moi. Curieusement. Ouais, une petite ressemblance, c'est pas C'est faux. bien, Fonda, je suis fier de toi. Et c'est une zone donc optionnelle du jeu, mais c'est une zone franchement je la fais à chaque fois quand même. Alors, à chacun de mes runs je la fais Ah, parce que Fonda, je t'es un l'adore. pote! Ah! Excusez-moi, je trippe un peu avec les gens hein, sur le chat. Mais voilà. Ah, Fonda aussi apprécie beaucoup cette zone. Apparemment. Ah. En fait, je pense que beaucoup de joueurs de Bloodborne aiment cette zone parce qu'elle est, voilà, franchement, elle est hors norme. Moi, j'aime bien.
franchement. Ouais. Elle est hors norme et dans le quel boss, sens elle est hors norme parce qu'elle est. Je trouve que ça nous change en fait. On vient de passer plusieurs zones, c'est de la ville, c'est de la forêt. Là, c'est un grand château. Et franchement, les mobs sont différents à l'intérieur. Bon, là, on n'a pas trop l'occasion de le voir parce que Rainbow va très vite. Mais les mobs sont différents, c'est des fantômes qui apparaissent, qui disparaissent, ça nous change vraiment. Donc voilà, comme c'est Gérard et de les fantômes que vous t'attaquent pouvez ou pas? voir à Ah l'écran. oui. Ouais, Voilà, je retire ma c'est question, ça. j'ai vu. C'est bon. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles peuvent faire très mal aussi quand elles vous chopent. Et le boss de cette zone est un boss, je vais me répéter, mais celui-ci il est quand même assez costaud, assez corsé, quoi. Puisque en C'est fait c'est un lequel chasseur, d'ailleurs? qui s'appelle Logarius. Ah oui, c'est En Logarius, oui. Ah gros, oui, on voilà, en a c'est encore quelques-uns Logarius. là, hein. Ouais. Il a fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec celui-là, il aura atteint. Ouais, un peu plus d'un tiers, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai mes rayons au fur et à mesure parce que sinon, je sais pas en sortir, moi. La Hop! toute première fois où je suis arrivé devant Logarius, j'y ai passé énormément de temps. Je crois que je suis mort un nombre incalculable de fois avant de comprendre vraiment les Ouais, il me patterns. l'avait dit hein, tout à l'heure, hein, Ren, avant qu'on prenne l'antenne, en Voilà. fait, il m'avait dit Logarius, c'est un de ceux que Beto n'aime pas du tout, mais alors, pas Non. du tout! Bah, par contre, je n'aimais Donc. pas du tout. On va dire que ça fait quand même une petite dizaine de runs que maintenant, quand j'y vais, je passe du premier coup, Ah quoi. bah, C'est plus vraiment apparemment, un écoute, souci, quoi. Fonda nous confirme le truc, hein, il l'aime pas non plus, hein, Ah donc. non, en fait, ouais, l'échelle, en fait, c'est le seul chemin vraiment possible Ah pour aller au d'accord, boss. pardon. Donc Autant pour il n'a pas le moi. choix pour l'ouvrir, en fait. Mais c'est vrai que ça ressemble à, de par la procédure pour l'activer, ça ressemble fortement à un raccourci. Mais parce C'est que vrai. j'ai pas été aussi loin moi, hein, donc j'ai confondu. Une astuce pour Logarius. Alors là, les astuces, moi personnellement, j'en connais pas, si ce n'est toujours pareil, apprendre les patterns, faire très attention à ce qu'il envoie parce qu'il utilise beaucoup de magie et d'ésotérisme. Donc de Ouais. préférence s'équiper donc d'une armure ou de vêtements résistants à l'ésotérisme, c'est assez important. Et si après on a la possibilité de s'équiper de runes qui rajoutent encore de la défense contre l'ésotérisme, c'est toujours mieux. Personnellement, plus on est équipé contre la magie, donc l'ésotérisme dans le jeu, et moins on va prendre de dégâts lorsqu'il va faire toutes ces attaques que vous allez voir dans quelques secondes, en fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait la reine là? Parce que j'ai vu qu'il avait ouvert un menu là. Alors c'est le menu des émotes, on appelle ça, c'est-à-dire les émotes, c'est des voilà, comme vous voyez, c'est des petits gestes qu'on peut faire, c'est des gestes qu'on peut choisir, c'est assez rigolo, il y a les révérences, il y a pas mal de petites choses, mais bon, c'est purement décoratif. Bon, pas grand-chose en fait, je pense que c'est plus pour le PVP, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans la partie d'un joueur pour discuter avec d'autres joueurs via gestes. Donc voilà, je pense que ça peut servir qu'à ça. Et sinon Il gère après un raid hein, quand même, spécifiquement dans le hein. Il gère jeu très très bien. ça ne sert qu'une fois à récupérer vraiment quelque chose. Donc là vous voyez c'est ça que je vous disais, il envoie beaucoup de magie, il se sert tout le temps de ça ce boss. Et de temps en temps un petit coup d'arme contendante, vite fait. Alors Dual Mais Shock toujours dit, la pour te magie. répondre, il a fait aucun Souls. Beto, enfin en tout cas Beto, celui qui parle avec nous, n'a jamais fait de Souls. En tout cas de ce que j'ai retenu tout à l'heure. Non, exactement, ouais. Rainbow Twix, par contre, je sais plus. Enfin, je lui repose la question. Il a dû en Rainbow faire me un ou semble deux, qu'il en a fait au moins des deux, oui. ouais. Ouais, il en a fait un des deux, ouais. Voir les deux. Donc Logarius, voilà, c'est toujours pareil. C'est éviter ce qu'il envoie, ça fait très très mal, la magie. Et dans sa deuxième phase, lorsqu'il plante une Vache. épée dans le sol, et qu'il fait pleuvoir plein de petites épées sur nous, c'est essayer de s'arranger pour aller vite détruire cette épée qui est dans le sol parce qu'on peut la détruire. Histoire Et d'éviter de ça se lui fait prendre des dégâts mal. pour rien. Non, ça permet juste que ces petites épées, parce qu'en fait lorsqu'il plante l'épée dans le sol, ça fait le ciel se remplit de petites épées qui vous tombent dessus. Et souvent ça peut vous empêcher de faire une attaque Ah, fatale en ok, raid. je comprends. Oui, c'est une Voilà. parade, quoi. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Yannick qui nous dit comme ça, il n'y a pas à dire, les boss sont quand même hyper stylés. Ah, c'est ce qui a fait que j'en suis là où j'en suis, c'est ce qui fait que Rainbow a aimé aussi, ce que tout le monde aime, les boss sont magnifiques. Ah Personnellement, à vache. chacun de mes runs, c'est pour les Il boss est que je les fais, mort. quoi. C'est Logarius. Sur Logarius, il n'y a rien d'étonnant, franchement, il n'y a même pas d'honte à avoir. C'est Logarius, quoi, en fait.
C'est un des pires boss du jeu, en fait, voilà, hein, autant le dire. Ouais. First Death, non, c'est la deuxième, non? Je sais plus. Oui, on va dire, bah, contre un boss, il me semble que c'est la première contre un boss. Il y a eu une petite erreur tout à l'heure sur le cheminement, mais contre un boss, c'est la première. Mais bon, rien de grave, a priori. Il l'avait bien précisé dans la news, de toute façon, que la mort allait faire partie du jeu. Voilà. C'est Dark Souls? Ok, donc il a... Ah voilà, il a fait Dark Souls. Voilà, pour répondre à ta question. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a fait Dark Souls, donc Sikavs nous dit à l'oreille que il a fait Dark Souls. Parce qu'il y a les trophées dessus. Voilà. La petite enquête de Sikavs. Elle a pas été au bout alors. Il a pas le platine, elle a pas été au bout. Avec Rainbow, je serais pas surpris qu'ils le reprennent parce que bon, c'est quelqu'un qui peut mettre des jeux en pause, mais qui au final. Moi, ouais, il est motivé, hein. Ah, ouais, il est motivé. Bah, c'est un très grand chasseur de platine. Oh, ah, alors là, il y en a plusieurs parce que donc par rapport à la question de Brontosaur qui demande pour le record de speedrun, il y en a plusieurs parce que il y a le record donc avec tous les boss du jeu, donc comme Rainbow est en train de le faire. Il y a le record avec les boss, uniquement les boss donc nécessaires au jeu. Maintenant, comme ça exactement, je ne connais pas spécialement tous les records. Je sais que le jeu peut se faire très très vite. Mais bon, ça à la rigueur, on peut vite se renseigner. Voilà, exactement. Là, déjà, il y a un run qui a été fait en 37 minutes. Ah la vache, 36, quand même. 36 minutes 59, voilà. Et il me semble avoir vu... Il me semble avoir vu avec Fonda en direct de PlayStation, donc sur les streams accessibles via la PS4, quelqu'un qui l'avait fait en 33 minutes. Donc, voilà. Eh ben. En général, c'est avec des personnages qui sont, comment dire, surboostés. Et bien souvent, toujours pareil, on en revient, c'est des gens qui ont, peut-être pas tous, je dis pas, mais qui ont utilisé les glitches du début pour monter leur personnage très 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 haut. Parce que quand je vois la fréquence avec laquelle je joue et que je vois que je ne suis que niveau 332, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse aller au-dessus quand je joue tous les jours. C'est compliqué à monter après. Prends ton temps, Ren. Prends ton temps, Ren. Donc, bonne nuit, DualShock B. Oui, bonne nuit à toi. Brontosaur. Donc Brontosaur qui dit que qu'il en est à 38 heures qui fait le run, mais je pense que sur mon premier run j'ai dû faire quelque chose comme ça aussi, vu qu'on prend tout notre temps, on veut fouiller toutes les zones, trouver tous les loots et essayer de comprendre certaines subtilités qui sont vraiment parce qu'il y en a beaucoup dans ce jeu. Et donc les premiers runs, c'est tout à fait normal qu'ils prennent énormément de temps, quoi. On a Vagabond qui nous dit comme ça que de toute façon ceux qui font les speedruns en moins d'une heure, 40 minutes, c'est les glitchers. Oui, c'est... Ça semble un peu logique, quoi. C'est des gens qui sont montés level 500 très très vite en n'ayant quasiment pas joué au jeu, en ayant utilisé les glitches dès le début. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on est les level 500 et qu'on a toutes nos stats qui sont à fond, donc la vitalité, la force, l'endurance, la compétence et tout ça, forcément après le jeu devient plus simple parce qu'on est overpower. Ouais. Donc Fonda conseille même chose que moi à RT. Prends ton temps, calme. De toute façon ces boss là c'est les boss les plus durs. Hein. Lorsque c'est des. C'est-à-dire lorsque ce ne sont pas des monstres, mais des gens comme nous, quoi, donc des gens. Et pas des monstres, c'est nettement beaucoup plus dur que tout ce qui est monstre et compagnie. Après, la différence, c'est que lorsque ce ne sont pas des monstres et donc que ce sont des gens comme ça, c'est qu'on arrive plus facilement les stuns. Donc là, voilà, là, il plante son épée. Donc vous allez voir plein de petites épées qui vont voler, qui volent au-dessus. Et qui vont de temps en temps aller toucher Rainbow. Ouais. Ça enlève pas beaucoup de vie, mais ça peut souvent bloquer une attaque décisive. C'est assez embêtant. Donc là, Rainbow va aller casser l'épée. Et voilà, fini. D'accord. Il est chiant, hein, ce boss, quand même, hein. Honnêtement... Excessivement chiant. J'y ai passé quasiment une après-midi complète. Et si je me rappelle bien, dans mon premier run,
Pour le passer, j'ai fait appel à un ami qui venait juste de le passer. Ouais. À deux, par contre, après les boss, sincèrement, lorsqu'on arrive à les faire à deux, les boss deviennent tout de suite nettement plus simples. Hein. Ah oui, c'est comme papa dans maman, quoi. Hein. De manière simple. C'est vraiment, oui. Mais il a l'air vachement exigeant celui-là. Hein. Bah là, on peut voir, hein, il reste 5 fioles de sang à Rainbow. Et le boss, on est à peu près à mid-life, donc dans sa phase où il fait le plus de dégâts. Ouais. C'est vrai que c'est un boss très compliqué. Ouais, en plus, ouais, parce qu'il a tapé plusieurs fois et on a l'impression qu'il enlève rien, quoi. Hein. C'est avec son arme. Ouais, c'est ça surtout le problème, quoi. Et donc, c'est que. Ouais, il a bientôt plus de fioles de sang. Et il a surtout une arme qui a une très 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 grande allonge, quoi. C'est très dur de rester au cac avec lui, donc au corps à corps, parce qu'il fait tout de suite très très mal. Ouais. Il reste jouable là, hein. S'il fait pas le con, c'est bon là. Hein. C'est jouable, mais voilà, là maintenant, donc il est à 0 fuel de sang. Donc là, il ne pourra plus se soigner à partir de maintenant. Enlève-toi. Il veut le finir, hein. Mais il faut que tu fasses gaffe là. Il doit encore se prendre beaucoup de coups quand même avant d'être fini. Ouais, non mais je sais bien. Hein. La solution ce serait de réussir à le stun, donc c'est-à-dire à lui placer une balle de pistolet au bon moment, ce qui permettrait de faire une attaque viscérale, qui sont les attaques les plus puissantes du jeu, et là il serait quasiment mort. Mais par contre, c'est assez compliqué à ce moment-là. Il l'a tenté, hein, le stun, mais... Ah, oh, merde. Trop tôt, la balle, dommage. Alors, Ren, il y a Fonda qui indique de mettre une rune pour plus de fioles. Re à vous, je suis fermé le casque. Allez, coucou, Rainbow. Ah, il est dur, hein. Le truc, c'est qu'il... Ah, il est violent celui-là. Hein. Et surtout, il m'a fait des patterns que j'avais jamais vus. Donc, comme quoi, les joies du direct. Ah, les fameux patterns. Oui, ça aussi, j'ai oublié de le préciser. Oui, les patterns peuvent être différents d'un joueur à l'autre. C'est quelque chose d'assez étonnant. Mais moi, personnellement, sur Logarius, j'ai eu des patterns. Tout ce que tu as eu là, je l'ai eu. J'ai passé beaucoup de temps à le tuer. Et les autres, par contre, le joueur qui m'avait aidé, lui. Quand il est arrivé avec moi sur la zone et qu'il a vu Logarius faire tout ça, il m'a dit « Tiens, c'est bizarre, avec moi, il faisait pas ça du tout. » Il semblerait que les patterns aient pu changer. On va essayer la petite astuce-là. L'astuce de baisser la lucidité. Allez, en tout cas, on te souhaite bon courage parce qu'il a l'air bien exigeant celui-là, hein, quand même. Hein. Ah non, mais celui-là, de toute façon, je vais rester une fois. Si jamais j'y arrive pas, je reviendrai sur la fin. Ouais. Ouais, c'est un optionnel, au pire je me le garde pour après, et puis parce que là... J'ai entendu dire que des gens maintenant, des gens jouaient exprès avec 99 de lucidité pour se rajouter du challenge. Donc il semblerait qu'il y ait vraiment une influence sur le jeu, les patterns et... Ouais, donc voilà. Le point de lucidité c'est l'œil en bas à droite qu'on voit, au niveau de l'écran. Donc là je suis à 0, donc j'ai baissé tout mon niveau pour espérer que le boss soit un peu plus faible. Ouais. Donc on va voir ça tout de suite. Mais bon. En tout cas, courage. Ouais. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt des raccourcis, c'est que Rainbow va utiliser donc les raccourcis qu'il a ouverts précédemment, ce qui permet de ne pas se retaper tout le château dans l'intégralité. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien pensé ça. Hein. Donc avec l'ascenseur là, il va déjà arriver dans la salle principale où se trouve la grande échelle qu'il a débloquée tout à l'heure, que tu m'as dit, Moz, que c'était un raccourci. Ah oui, j'y ai cru, moi. Voilà. Désolé. Et tout au bout, il a l'échelle, il monte et il est déjà quasiment arrivé au boss après un petit chemin sur les toits. Attends, sur... Sur ce boss-là, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est un passage obligé, je pense, hein, parce que il a apparemment pris la tête à beaucoup de monde, celui-là, donc... Ah, celui-là bien, sur lequel je suis pas surpris, c'est celui-ci, oui, celui-ci... C'est vrai qu'il est réputé pour être le plus difficile du jeu, hein, je crois bien. Ouais. Les autres, ils posent... Ah oui, franchement... Bah, c'est un mid-boss, en gros, non ? Ah non, même pas, hein. Un, ce serait lui, ouais.
Ouais, Même franchement. pas, il en reste encore pas mal derrière, hein. C'est même pas un mid-boss, hein. Bah, vu que c'est un optionnel, en fait, on peut le faire quand on veut, donc. Ah mais vous verrez que les autres boss qui suivront, ce sera quand même un peu plus simple que Logarius, quoi. Ouais, j'espère. Il m'est arrivé de mourir contre Ebrietta, ça. Ouais. Ebrietta, oui, peut être très méchante aussi, mais ça va. Je pense qu'on va le constater un peu plus tard. Allez, Ren, il est à fond là, il est convaincu, il va y arriver. C'est Il toujours va pareil, hein, niquer c'est sa selon les gueule. patterns. Il va y faire un in your face. Enfin, là, quand on arrive, en général, il envoie toujours ses petits crânes qui flottent. Mais Ouais. voilà. Ouais, effectivement, tu descends un peu plus vite là, ouais. C'est vrai que pour ce boss, j'utilise spécifiquement la rune qui me permet d'équiper plus de fioles de sang, parce que je sais que j'en utilise beaucoup avec lui. Ouais. Hop, on va mettre quelques coups, on va reculer. Parce que l'attaque là, pareil, j'avais jamais vu. Ça, tout à l'heure, j'étais surpris. Alors on rappelle que sur The Witcher 3, le fait de pouvoir utiliser des fioles en plein combat sera Je présent. pensais pas que ça toucherait, ça. Parce que c'était pas le cas avant. Il faut le dire. Non, faut pas que je meure ici, faut pas que je meure ici, parce que là, je suis plutôt Non, bien non, sur ça lui va, là. t'as encore de la marge, t'as encore de la marge. Ouais, mais moi il y a un Là, décalage avec ce que vous je voyez et ce que moi je suis en train de vous vivre. Ouais, c'est bon. vois bien. Exactement, ouais. Par contre, lorsqu'il fait Ah oui, son saut d'accord, en oui. l'air, là, lorsqu'il fait Ouais. le grand saut en l'air, c'est toujours sur la droite pour l'esquiver. Toujours saut D'accord. à droite. À gauche, Merci. ça passe rarement. Mais voilà, quand il Putain, saute comme hop, ça, pardon. c'est à droite. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à esquiver sur la gauche pour tous les boss et j'ai remarqué que souvent je me fais quand même toucher donc Sur Logarius spécifiquement, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, Ouais, alors par c'est contre lorsqu'il là, fait ouais. lorsqu'il se met à voler, c'est toujours à droite. Ouais. Allez Ren, allez Ren. Waouh. C'est vrai que là, bah, je sais pas Ah, il trop où fait j'en ai mal toi quand même, vis-à-vis de hein. ce que tu vois, mais ouais, t'es quand Il même fait pas très passé très loin de la mal ce petite boss, hein. correction là. Bon, bah, j'étais à droite, mais. Ah d'accord, il y a vraiment un sacré décalage quand même. Ah ouais. Allez, 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 allez. Donc Sikabs nous demande en quoi la baisse de lucidité pourrait provoquer le fait que le boss soit plus simple à battre. Ben sincèrement, on n'en sait pas vraiment quelque chose parce que c'est j'ai découvert ça en faisant quelques recherches et des gens ont dit que il y avait certains paliers au niveau de la lucidité et que selon le palier, le boss pouvait avoir de nouveaux patterns, même certains mobs avoir des nouveaux coups et que le jeu devenait plus dur. Et il semblerait qu'il y ait même des gens, donc les plus hardcore gamers, qui font exprès de jouer avec le max de lucidité, donc 99, pour se rajouter des défis et du challenge. Donc, maintenant, est-ce que ça se vérifie réellement? Je ne sais pas trop. Ouais, donc ça reste complètement aléatoire, quoi, quelque part. Mais moi, personnellement, de mon expérience à moi, je pense quand même qu'avec la lucidité Allez, Ren! Allez, Ren! qui est Allez, baissée, je Ren! pense que ça passe quand même. Je pense que ça a quand même une influence. Moi, je connais pas les paliers exacts, mais. Et voilà, Ah, il l'a eu. fini Putain, Logarius. il l'a eu. Il a Yes! gardé le suspense, hein, parce qu'il a dû le tuer il y a au moins 5-10 secondes, mais il a gardé le suspense. Yes! Hein. Yeah! Bah, Bon, franchement, bah ils maintenant, ont. t'as le droit de venir au rassaut maintenant. Non, merci tout le monde. Bon, finalement, ton astuce de d'esquiver sur la droite, ça m'a beaucoup aidé. Donc, s'il y en a qui regardent et qui galèrent sur le boss, bah, Moins de bah, je recommande. sujets. Hein. Mais Voilà. voici Donc, un merci enfant. Beto pour ton Mais vois-je expertise. une vache femme? Voilà. Ah putain, il Coco était Malal. difficile celui-là, hein? Ah, celui-là, il fait très mal. Ça, je suis bien content de l'avoir Ah, passé là. Voilà. Allez. tu vas donc aller voir cette chère Bon, il n'y analyse. en a plus que pour 1 heure, hein, les enfants, hein, normalement, hein, maintenant. Hein. Ouais, j'espère, parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu au moins un quart d'heure sur ce boss-là. Donc, je vais me replonger, hein, tranquillement, j'ai coupé le casque, donc je vous Ok. dis à tout à l'heure. Allez, à Bisous, toutes. Trenbo, courage. Bisous, Ren. Donc la Rainbow a allumé la lampe et est directement retournée donc pour faire la suite du run.
Mais lorsqu'on le fait la première fois, à cet endroit-là, il se trouve une personne, un PNJ, c'est la reine analyse. Et il y a un petit serment qu'on peut prêter après avoir tué Logarius. Donc voilà. Serment qui nous permet de récupérer une rune spéciale, une rune qu'on peut équiper, donc les runes de serment, qui rajoute des effets assez sympas. Ouais. Et merci pour les encouragements, hein. Bravo. Donc Logarius, ça c'est fait. Oui. Bonsoir. Je suis RT. Ouais, je confirme Fonda. Du coup, depuis tout à l'heure, c'est ce que je me disais. Je me dis, à parler après RT, c'est pas évident. Avec ma voix. Ah, ouais, c'est pas facile, hein. Ouais. Franchement, c'est compliqué. On sent que RT, il a ça. Il pourrait faire les trucs dans les aéroports, annoncer les avions. Moi, je pourrais pas le faire. Le train numéro 685 va entrer à gare, voici. Et donc Rainbow qui vient de spawn dans les bois interdits. Une des zones les plus grandes du jeu. Sincèrement, oui. Lorsqu'on arrive dedans la première fois, c'est sympa compliqué. On est quasiment obligé de se perdre. C'est immense. Bon, là, on s'en rendra peut-être pas compte parce que Rainbow va le faire très vite. Et c'est vrai que même moi, quand je le passe, maintenant, ça va très très vite pour arriver au boss. Mais la première fois, on vadrouille énormément dans cette zone, quoi. Elle est immense. Oui. Et ce boss aura une particularité, mais je vous laisse la surprise. Parce que cela ne nous regarde pas. Ah, c'est vrai que j'ai toujours vraiment détesté cette zone quand même, quand j'y pense. Ben oui, Todd, hein, en même temps, voilà quoi. Qu'est-ce que je te dise ? Ah, je rigole, hein. Oui, Todd, il vient de battre Logarius. Il s'est fait un sacré boss, ouais. Un des boss les plus durs du jeu, si ce n'est le plus dur. On se constate que pour nos runs, on a quand même beaucoup de chemins qui correspondent à Rainbow et moi. C'est vraiment les mêmes chemins qu'on prend. C'est plutôt intéressant. Comme on voit dans ce petit couloir que Rainbow, qui est en train de monter, on voit qu'il y a un monsieur qui a un gros canon qui tire sur le. Donc voilà, qui tire avec son canon. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Vous remarquerez quand même que c'est pas moi qui l'ai faite, hein, le monsieur au gros canon. Hein. Comme quoi, c'est pas que moi qui suis. Hein. Bon, voilà, je suis pas des géants tout seul. Là, c'est quoi cette église là ? C'est des, en fait, ouais, c'est des gens à la base au début, ils sont comme nous, tout à fait normaux. Et lorsqu'on s'approche d'eux, ils ont une tête de serpent, enfin plein de serpents qui leur vient dans la tête. C'est une zone qui est d'ailleurs remplie de serpents. Ouais. C'est la zone des serpents. Donc là, il a ouvert un raccourci. Exactement. Le raccourci, c'est-à-dire qu'il se trouve tout près de la lampe du début. Ça lui permettra d'arriver directement là. S'il y a à mourir, il sera directement ici, sans devoir se retaper dans tout le bois. Voilà. Ah, d'accord, donc en fait, il faut penser à allumer la lampe après avoir ouvert le raccourci, en fait. Non, la lampe, en fait, il faut l'allumer tout de suite. Dès qu'on voit une lampe, c'est la première chose à faire, c'est de courir dessus. Même si on est poursuivi par des ennemis, c'est courir sur la lampe et l'allumer. Parce que moi, on est sûr qu'on va repop ici. La lampe, c'est la priorité. On a tellement peu dans le jeu que... C'est la priorité absolue, quoi. Toujours la lampe. Ok. Bon, ils se débrouillent pas mal quand même. Ah, ça se passe que là, vous voyez les petits paquets de serpents là qui sont assez. Ouais, tortues, je sais pas quoi là. Ouais. C'est vraiment tout à base de serpents dans cette zone. Ah, par contre, je vois qu'il est passé à l'endroit où il y a les petits aliens. On les verra peut-être pas très bien, mais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ok. Ouais. C'est assez marrant ce mélange des genres, quoi. On tombe sur des bestioles qui s'appellent du loup-garou, puis tout d'un coup on se balade dans le jeu et on tombe là-dessus. Des petits aliens tout bleus. C'est... Ouais, franchement c'est génial. Et donc là, il est tout près du boss.
Mais bien sûr, ah, avant. À fond, hein. Le petit raccourci. Il est à fond, il est à fond. Donc là, voilà. Alors là, il faut savoir que, comme vous avez vu, il est monté sur l'ascenseur, mais il ne l'a pas pris. C'est-à-dire qu'il a juste activé le fait que l'ascenseur monte, même sans lui. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Une fois que l'ascenseur est activé, ne serait-ce qu'une seule fois, on y a accès. C'est-à-dire on y aura toujours accès. Même si on n'est pas dessus. Donc voici les gros cochons. Voilà, c'est quoi ça? Un sanglier aquatique? Ouais, c'est un petit peu ça. C'est des cochons géants, sangliers. C'est des bébêtes qui, lorsqu'elles vous chargent, peuvent vous tuer en un coup, en fait. Ouais. Voilà. Mais on peut les éviter très facilement parce qu'il y a toujours un temps lorsqu'elles vous repèrent ou elles crachent un peu, voilà. Donc elles n'attaquent pas tout de suite. Donc on peut se sauver assez facilement. Et voici le boss. Ou plutôt, devrais-je dire, les boss. Donc les ombres de Yharnam. Trois personnages, trois boss à battre en même temps. Donc là, il existe plusieurs stratégies. Ce certains combat, hein. disent de assez compliqué du fait qu'en fin de compte, il y en a un des trois qui tire toujours des boules de feu. Et donc ça peut toujours casser vos attaques, vous empêcher de vous battre bien contre les autres. Sur la fin, il y en a un qui peut faire apparaître aussi des serpents géants qui sortent du sol et qui peuvent faire très 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 mal. Donc là, je vois que Rainbow apparemment essaye de s'occuper d'abord de celui qui crache le feu. Moi, c'est celui que je fais en dernier. Comme quoi, les stratégies sont différentes hein, d'un joueur à l'autre. Ouais, moi, je peux comprendre pourquoi en fait, il le fait en premier. Individuellement, hein. Individuellement, ils sont assez sympas à battre. Ouais, vous voyez, voilà, il en a déjà tué un. Et maintenant, voilà, il reste entre guillemets les deux moins compliqués, mais ce que moi je sais de ce boss, c'est que ça peut arriver très vite, la mort peut arriver très vite. Ils ont des coups qui ont une allonge, ben, comme vous avez vu à l'instant, des coups qui ont une allonge énorme. Ouais. Et ça peut aller très très vite à mourir. Par contre, ils sont très faciles à stun. Moi, je me sers beaucoup de l'attaque viscérale, c'est-à-dire le pistolet, une balle, ils sont stun et on leur fait attaque viscérale. J'espère que Rainbow aura l'occasion de nous en montrer une lors de la partie. Alors par contre, Beto, un truc, pourquoi toi tu te réserves au dernier moment le cracheur de feu, on va dire? Bah, c'est-à-dire, en fin de compte, moi quand j'y vais, en fait, je suis, bon, on va dire, comment dire, vestimentairement parlant, je me promène mon armure préférée, mes vêtements préférés, on va dire, c'est une armure qui est très résistante au feu. Donc en gros, même lorsqu'il me tire dessus, ça ne fait pas trop de dégâts, je peux m'occuper des deux autres assez tranquillement, quoi. Ouais. Vu que les deux autres ont la particularité de toujours attaquer. Celui qui crache du feu, lui, n'attaque pas au début. Il est juste là pour cracher du feu. Il se met à attaquer seulement lorsque les deux autres sont morts. Et moi, c'est une stratégie que j'ai pris l'habitude de faire, mais est-ce que c'est la meilleure? Ça. Je pense que dans Bloodborne, c'est comme dans tous les jeux, chacun a ses petits trucs et... Ouais. Quoi qu'il arrive. Voilà. Alors là, les attaques que Rainbow vient de se prendre, deux d'affilée, là, c'est les attaques les pires. Ce boss peut vous toucher alors qu'il est encore à une dizaine de mètres de vous. C'est assez gênant. Ouais, il touche large, hein. C'est clair. Encore à peu près 49 sur les Twitch à ce temps là. Peu de monde discute. On va dire que vous êtes complètement pâmé par la partie. Par ces combats. Un Jared Botix. Bah c'est ça oui. Vous êtes complètement pâmé. Oh là, on est redescendu à 39 d'un coup là. Donc voilà les serpents dont je parlais, les serpents qui sortent du sol, on les a vus un moment. Ouais. C'est assez gênant. En fait, là, l'astuce, c'est de se trouver le plus loin possible d'eux. Voilà, le serpent vient de sortir à côté de Rainbow, donc là, il est un peu, faut qu'il aille très loin. Parce que le but des serpents, en fait, en gros, c'est qu'ils viennent vous manger
vous enlève beaucoup de vie. Mais bon, là, a priori, ils sont quasiment morts. Déjà un qui est en moins. Il n'y en a plus qu'un. Mais comme vous avez vu, il a plus grand chose. Hein. Voilà. Je dis, c'est jamais, on n'est jamais vraiment sûr dans Bloodborne. Ah, c'est dommage. C'est la démonstration. C'est dommage. D'ailleurs, RT, si nous entend, no stress, hein. Franchement. Ouais, no stress, prends ton temps. On n'est pas pressé, demain on se lève pas. Enfin, si. Ouais, moi je me lève. En temps normal, je ne travaille pas le samedi, mais là, je travaille demain matin. Je me suis porté volontaire. Ouais, quelle idée. Comme le fait remarquer Cicaps, je le regrette de tout mon cœur. Alors Cicaps qui nous dit aussi, il lui reste combien de temps? Et Fonda qui nous dit aussi, pur les stuns. Combien de boss? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boss après celui-là. Ouais, mais sur les... Donc, bon, ça va être un peu tendu. C'est vrai qu'il a perdu un peu de temps sur Logarius. Et là, par exemple, sur un boss comme celui-ci, les ombres de Yharnam, vous voyez qu'à chaque fois, il doit se taper quand même, malgré les raccourcis, un chemin qui est quand même assez long pour y retourner. Ouais, donc, c'est clair. On perd un peu de temps avec ça. Je non, pense mais que c'est ça bien, va jouer. Parce qu'on apprécie le décor pendant ce temps-là, donc c'est plutôt même sympa. S'il dépasse, ce sera pas énormément, mais... Voilà, je pense que ça va être... C'est peut-être devenu un petit peu tendu pour le 2h30. Mais bon, je peux me tromper. Parce qu'il y a aussi des choses à savoir aussi, c'est que les boss qu'il a à faire après, certains vont aller très 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 vite. Il y a des boss qui vont se faire en 2-3 minutes, qui vont aller très vite. Oui, il y a des boss sur lesquels il pourra rattraper. En particulier l'émissaire céleste, qui est une pure rigolade. Franchement, si je passe une minute dessus, moi c'est beaucoup personnellement. Ouais, il a essayé le pistolet, hein, Fonda, hein. Il a essayé, hein. On l'a vu un peu à l'écran, mais... Donc alors, la particularité du jeu aussi, c'est que lorsqu'on s'est battu contre un boss la première fois, lorsqu'on y retourne après, lorsqu'on est mort, il y a cet écran de fumée qui nous empêche de rentrer dedans, et on doit donc appuyer sur X pour traverser le brouillard cauchemardesque, comme il dit, et retourner se battre contre le boss. Tant qu'on se trouve de l'autre côté du brouillard, en fait, on risque rien. Il faut juste valider à chaque fois l'entrée dans la zone des boss. Ça, c'est une particularité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est qu'est-ce que j'ai pu rager sur ces boss la première fois que je suis arrivé. Quand j'ai vu qu'il y en avait 3, je me reçois un nombre incalculable de fois, quoi. Avant de comprendre vraiment le truc. Parce que tu te demandes lequel tu dois attaquer en premier, en fait, quoi. C'est un peu qu'on se demande ça, et puis il y a l'autre qui nous tire ses boules de feu sur nous. Donc on soigne, mais au moment où on soigne, eh ben on se prend les boules de feu, donc on perd de la vie, donc on se re-soigne. Les feux de sang partent à une vitesse incroyable et... Ah non, les premières fois, c'est un boss qui pose pas mal de soucis quand même. Surtout lorsqu'ils sont regroupés comme ça. Il est bien entamé là quand même, hein. À part un, mais... Non, en général, entamer les trois en même temps, c'est compliqué quand même. Sachant que de toute façon, une fois qu'il en aura entamé deux bien, quand même, hein. Voilà. Mais lorsqu'il en aura mis un des trois, en fait, on va dire à... Lorsqu'il restera à peu près 3 cm sur la barre à un des trois, ils vont tous entamer leur deuxième phase. C'est-à-dire, voilà, comme maintenant. Leur tête vient de changer, vous voyez, hop. Donc là, maintenant, ils sont devenus plus durs. Il y en a un qui est bientôt mort. Et lorsqu'on tire une balle avec le pistolet sur un boss et qu'on arrive à le stun, donc il y a un petit son qui se fait entendre. C'est pour qu'on soit bien sûr que l'ennemi est stun. Et donc là, on a juste à s'approcher tout près de lui, à se coller contre son corps et à appuyer sur R1. Et on fait la fameuse attaque viscérale. En gros, on plonge la main dans le corps de l'ennemi et comme si on lui arrachait le cœur, en fait.
Boum. Allez, plus qu'un. Celui-ci théoriquement devrait pas tarder à mourir, voilà. Ouais, je pense que... Donc maintenant, le dernier va commencer à envoyer des serpents. C'est là, voilà. Donc là, quand lorsqu'il fait ça, les serpents vont sortir. Et voilà. En gros, le truc, c'est de vraiment ne pas lui laisser le temps de faire ça. Quoi. Il faut plus le lâcher. Voilà, là, il la stun. Et voilà, attaque viscérale. Hop. Alors, Ren, il y a Brontosaur qui nous dit que tu bourrines un peu trop vachement. Et que tu te prends un max de dégâts. Ah, c'est pour récupérer le temps qu'il a un peu perdu, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Mais après, à un certain niveau, on peut quand même se permettre de bourriner. Moi, perso, j'ai pas tout ramené à moi, mais c'est vrai que sur les boss, maintenant, c'est ce que je fais un petit peu, quoi. Je peux me permettre quand même d'arriver sur les boss et de rester quasiment collé à eux, de les taper, de me soigner. Pour la plupart, ça passe. C'est avec le niveau, bon, ça vient. Il est bon. Rainbow est quand même level là, 212. Il peut se permettre. Voilà, stun et viscéral. Hop. Fini. Yeah, Ren. Yeah. Bien joué, Ren. La petite révérence, le fair play. Fonda, il est content. Donc si Fonda est content, tout va bien. Donc après ce boss, par la petite porte, on peut voir qu'il a un chemin. Et ce petit chemin va l'amener directement à une autre lampe, d'une autre zone. Et cette zone est tout le contraire de la zone d'avant, c'est-à-dire elle est ridiculement petite. C'est une zone où il n'y a rien. Il y a une grande maison. Un chasseur a tué dedans et le boss directement. Ouais. Boss qui est aussi un petit peu spécial d'ailleurs. Donc pour les arachnophobes. Dans quel sens c'est spécial? Vous devriez couper le stream. Ah, c'est l'araignée bizarre là, c'est ça? C'est vrai que je me souviens que Rain m'avait dit qu'il détestait ça. D'ailleurs, notre cher vagabond, aussi appelé Fonda, déteste également ce cher boss. D'ailleurs, tout ce qui est araignée dans les jeux vidéo, il ne l'aime pas, si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il pourra confirmer. Ouais, Fonda, c'est lui, ouais. Alors, le jeu, on l'a pensé, oui, ouais, ouais. On a quelques joueurs dans la team ou sur jeux vidéo live qui l'ont bien arraché, ouais. Ouais, qui ont été un petit peu... Et qui l'arrache toujours. On l'a un petit peu travaillé, ouais. Si j'étais pas en train de commenter, je serais en train de jouer, là. C'est clair et net, de toute façon. Donc là, comme vous voyez, les ennemis, c'est un peu bizarre. On dirait des petites mouches géantes. C'est plutôt... assez rigolo. Quand on arrive ici, on voit des nouveaux ennemis, un nouveau bestiaire. C'est toujours assez sympathique. Donc le petit raccourci, d'ailleurs le seul et unique de cette zone, puisqu'il n'y a quasiment rien dans cette zone. Elle est toute petite, hein. Voilà. Donc là, les escaliers. Là, il doit aller récupérer une clé qui se trouve à l'étage du dessus, donc pour pouvoir ouvrir la porte d'accès au boss. Donc là, Rainbow ne s'occupe même pas, vous voyez qu'il y a un chasseur qui lui court derrière. Ce chasseur, d'ailleurs, peut faire très très mal, les premières fois où on tombe dessus. Et voilà, il récupère la clé. Et ensuite, il retourne pour ouvrir la porte. Là, il perd pas de temps. C'est vrai que ce chasseur-là peut être très embêtant. Et voici le boss. Ah, c'est la pleine lune. Après un petit plongeon. Donc là, en gros, là, il faut déjà activer le combat, donc aller toucher au moins une fois. Donc on croirait pas, mais c'est une araignée. Je sais que ça a l'air bizarre, mais... Ouais, ouais, il marche sur l'eau, ouais. Et là, maintenant, elle a appelé toutes ses petites copines. Et là, maintenant, il peut se sauver. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, hein, quand on se bat contre des géants dans le jeu, des monstres géants et tout. Ça a pas l'air de grand-chose, mais ces petites araignées que vous voyez à l'écran... Ces araignées-là, en deux coups, peuvent vous tuer. Et peu importe votre niveau. Même moi qui suis level plus de 300,
Si je reste devant une araignée trop longtemps, grande chance que je me fasse tuer. Mais c'est un boss. Pareil, les premières fois où on arrive dessus, on se demande vraiment comment qu'on va faire, il y a plein d'araignées partout. Et après, au final, on se rend compte qu'on peut presque se passer de les tuer, comme Rainbow est en train de le faire d'ailleurs. Ah, des petits icebergs, ça c'est aussi une attaque insupportable quand on joue à ça. C'est vrai qu'elle est un peu curieuse, hein, la Rainbow. Ouais. Elle a des attaques ésotériques, donc voilà, comme les icebergs qu'elle peut envoyer. Donc ce qu'elle va faire maintenant, quand elle se lève, elle fait ça, voilà. D'accord. Et si on s'en prend, si on s'en prend deux ou trois en général, on est mort. Et pareil pour les petites araignées, hein, si la petite araignée vous fait une attaque, une petite araignée à elle toute seule peut vous tuer, toute façon. Ça m'arrive encore, parce que je fais pas trop attention. Et quand elle a fait se met sur le dos, voilà, c'est une petite attaque ésotérique, quoi. Elle fait juste apparaître des glaces. Voilà ce qu'elle va faire maintenant, quoi. C'est assez facile à éviter, par contre. Ah, la petite araignée. La Rainbow est en train de gagner un peu de temps par rapport au Ren, parce que... Moi, personnellement, je m'amuse souvent à tuer toutes les araignées pour être tranquille, avant d'aller attaquer la grosse. Et je vois que Rainbow, lui, passe carrément au milieu. Je pense qu'il gagne un peu de temps en faisant ça. D'ailleurs là encore un coup et elle est morte. Voilà. Salut Peluche. Ah oui, bonsoir Peluche. Voilà. T'es accepté hein, sur Wii U, hein. C'est bon. T'inquiète pas. Donc si je ne me trompe pas, en fait, la suite logique du jeu, c'est-à-dire pour avancer dans le jeu, maintenant, ce serait d'aller faire un boss qui se trouve dans Yargul, on appelle ça. Mais je crois que Rainbow, vu qu'il fait tous les boss dans ce run, m'a dit qu'il allait s'occuper maintenant de Parle Sombre Bête, si je ne me trompe pas. Parle Sombre Bête. Émissaire Céleste, normalement. Ah, Émissaire Céleste maintenant? Ah ouais. Bah après Rome, ah, mais Sombre ouais. Bête, il voulait... Oui, il voulait la faire à la fin. J'ai confondu, pardon. Alors, Émissaire Céleste, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Là, il nous reste... Émissaire Céleste, Edrietas, Parle Sombre Bête, celui qui renaquit. Celui qui renaquit, Mikolash, et normalement... Non, Amidala, Amidala avant. Amygdala, Mikolash, et donc la nourrice de Mergo, et Garman à la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Comment vas-tu mon peluche? Donc la Rainbow vient de s'occuper d'un PNJ, c'est une sonneuse de cloche. Donc c'est un PNJ un peu spécial parce que, bah, comme son nom l'indique, elle sonne, elle a une petite cloche dans la main qu'elle fait sonner. Et tant qu'elle reste sur la zone et qu'elle fait sonner cette cloche, les mobs apparaissent à l'infini. C'est elle qui fait apparaître les mobs en fait. Donc tant qu'on ne la tue pas, les mobs arrivent continuellement à l'infini. Il y en a encore une autre là dont il va s'occuper. Voilà. C'est en général la priorité dans le premier run, c'est d'aller vite la tuer. Tuer toutes ces petites sonneuses de cloche. Quoi. Bah écoute, oui, ça va. Hein. Nous, on est tranquille dans notre canapé avec Beto. Rainbow souffre sur le jeu. Donc oui, ça va bien. Par contre, a priori, je ne sais pas s'il va chercher les mélanges, mais je dirais que s'il continue sur cette voie, ah non, il va chercher la clé. Exactement. Bah, donc oui. Là, il va chercher la clé. Là, c'est pareil, il va chercher la clé qui va lui permettre d'ouvrir le faubourg de la cathédrale supérieure pour avoir accès justement donc à Ebrietas et...
Donc oui, Peluche, bah nous oui, oui, ici, oui, je suppose que tout va bien, puisque c'est un peu les Ah fêtes oui, tout va juanniques bien. sur Orléans en ce moment. Puisque nous sommes le 8 mai. Et qu'étant originaire d'Orléans moi-même, je sais ce que c'est. Voilà. C'est vrai que c'est une zone relativement horrible, la première fois où on arrive dedans, quoi. Putain, c'était quoi ce machin au marteau là? C'est des petites grand-mères qui se promènent avec des grands marteaux ou des torches et elles font très 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 mal. Ah, c'était impressionnant, Ouais. ça Sachant que durait si on deux ne tue secondes, pas hein, mais. les sonneuses de cloche, elles réapparaissent à l'infini. Donc en fait, la première fois qu'on arrive là et qu'on ne sait pas ça, on passe son temps à les tuer et elles réapparaissent, elles réapparaissent. À 5-10 minutes près, je pense, Peluche. Voilà. Ouais, pour le défi, je dis pas que ça reste possible, hein. Si maintenant tout se passe vraiment au millimètre, tout va bien, sans perdre de temps et tout, ça reste possible. Mais oui, voilà, il y aura peut-être un petit dépassement, un léger dépassement. Voilà. Allez, 2,40. On va dire 2,40. Ren, on compte sur toi. 2,40 maximum. Donc voilà, il va Après, dépendre de ta lucidité. Ouais, tu es viré de la tranquille. PAF, de P3 Live, enfin jeu vidéo live. Et donc là, donc il va aller ouvrir la porte vers la zone optionnelle qui s'appelle donc le faubourg de la cathédrale supérieure. Zone qui contient d'ailleurs deux boss. Mais quand je dis deux boss, je pourrais dire un parce que le premier, c'est juste. Je crois que c'est les développeurs qui ont Une fait une formalité plaisanterie, je crois. administrative, quoi, Ouais. on va dire. Bah tout à Ouais. l'heure on en parlait. On parlait des petits aliens et tout, mais je vous laisse découvrir. Bah oui. On va regarder. D'ailleurs, émissaire céleste, rien que le nom déjà, ça nous fait penser céleste. Alors, si Cas demande. Tu penses qu'il y aura une deux? Ah, alors est-ce que je pense qu'il y aura un Bloodborne 2? Je l'espère de tout mon cœur, sincèrement. Je l'espère de tout mon cœur parce que ce sera le jeu que j'irai acheter les yeux fermés. Là, pour l'instant, on va dire que j'espère déjà. N'en déplaise à ceux qui sont anti-Season Pass et DLC, j'espère déjà quelques DLC sur celui-ci, des nouvelles zones, des nouveaux donjons, ce serait déjà pas mal. Mais sinon, Ouais. ouais, j'espère vraiment qu'il y aura un 2. Ouais. Parce que Ah bah oui. je pense qu'il y aurait matière à faire un gros jeu. Ah, niveau histoire, ouais, c'est vrai que je lis donc, niveau histoire, c'est possible. Faut savoir que l'histoire dans Bloodborne, elle est assez secondaire. C'est-à-dire, personnellement, moi, en tout cas, le scénario, il ne m'a pas transcendé, surtout qu'il n'est pas 100% très très clair. Donc je pense qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire il y aura un 2 par rapport à... En tout cas, c'est pas l'histoire qui va gêner pour un 2, ça c'est sûr et certain, quoi. Parce que c'est vraiment pas... Le scénario n'est pas le point fort de Bloodborne, ça je peux le reconnaître. C'est vraiment pas son point fort. Ce qui est largement rattrapé par C'est tout ce qui pas est un à jeu côté, pour quoi. ça, ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'est Voilà. que c'est pas non plus Donc c'est pareil, c'est pas une très grande zone, mais c'est une zone qui contient, je crois, ce que je pourrais appeler les pires mobs du jeu. De toute façon, leur nom déjà, en disant long, c'est les suceurs de cerveau. Sincèrement, moi, je les déteste alors d'une force incroyable, quoi. Ouais. D'ailleurs, il va y en avoir un tout de suite à gauche. Si Rainbow ne le réveille pas, il pourra lui faire une petite viscérale. Ah non, il l'a réveillé. Donc là ça va Ouais, mais parce il que l'a là il l'a eu. surpris. Non mais il n'y a pas de problème pour les tuer, ça va être... Ils sont simples à tuer. Le problème c'est si eux vous voyez en premier quoi. Là c'est... Ça peut être très embêtant. Parce qu'ils ont la faculté de vous jeter une petite boule de lumière sur vous qui vous paralyse. Et pas que vous êtes Alors, il y a paralysé dans cette boule de lumière, ils vous Bonsoir qui sucent nous la dit tête. comme ça que From Software serait sur Dark Dark Souls, je Souls crois, 3. en ce moment, ouais. Ou Demon Souls d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, Dark Souls. Moi, je pense Dark Souls parce que Dark Souls 3, Demon Ouais, je Souls, il n'y en pense a Dark eu Souls, qu'un, oui. hein, donc... Ah, par contre, si je devais faire un Dark Souls 3, je pense que je le prendrais. Mais même si je n'ai pas fait les deux Ouais. premiers, je pense que je le prendrais, ouais.
en espérant un challenge bien hard et bien conseillé. Ah oh bah de toute façon ça sera dans l'esprit hein, quoi qu'il arrive. Alors si Caps nous dit comme ça que l'inconvénient des Dark Souls c'est que tu as un bouclier et que dans Bloodborne le bouclier il est pas là. Et que ça fait quand même une sacrée différence. D'ailleurs, pour être... Et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, dans Bloodborne, il y a un bouclier qu'on peut looter assez tôt, mais qui sincèrement ne sert à rien. On peut jouer à l'esquive. Hein. Ah oui, dans Bloodborne, c'est la touche rond. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que esquive, 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 esquive. C'est vraiment toute la base du jeu. Oh, Ça, par contre, je ne connais Domi! pas ça. Ah, Salut Domi! excellent! Coucou, bisous! Et donc, la reine a récupéré la clé qui va lui permettre d'ouvrir la porte pour accéder donc sur le chemin qui mène au boss. Eh oui, parce que le boss va être compliqué. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils ont fait quand même quelques animations quand tu ouvres les portes comme ça, où tu te fais pas toucher, entre guillemets, mais tu vois les ennemis qui te... qui t'oppressent Bah, quand même, quoi, qui en fait, voilà. te grattent un Dès peu qu'on ouvre dessus, une qui essaient de te porte, choper et tout, enfin voilà, c'est marrant, quoi, c'est bah, on bien. peut se prendre des coups, mais en fait, ils ne nous toucheront jamais. C'est-à-dire, les ennemis essaient de nous toucher quand même. Ouais, mais ils Mais si passent on est pas... en train d'ouvrir une porte, que l'animation a été déclenchée, ils ne nous touchent pas pendant ce temps-là. Heureusement Ouais, d'ailleurs, parce que sinon, on passerait il notre baisse pas temps à ta barre mourir. quoi. Ouais, on est Voilà. d'accord. Donc voilà le boss, l'émissaire céleste. Alors, au début, ça a l'air de rien, c'est des petits aliens. Voilà. Sachant que parmi ces aliens, il n'y en a que un qui est le boss. Les autres sont des clones qui ne servent à rien. Ah ouais, C'est c'est juste le à nous fameux, embêter. ouais, il m'en avait parlé, Rainbow, ouais. Donc Que en en fait, il fait, faut savoir que le il boss, faut c'est en lui qui viser qu'un, n'attaque pas. quoi. Donc voilà, c'est Ouais. lui. Le boss n'attaque pas. Dans sa première forme, il est juste là, il appelle ses petits copains. Donc voilà. Et dans sa deuxième forme, On a il va jeu devenir un vidéo peu plus live, gros. on a la paf, on Voilà. a... Oh, c'est bien, hein. Très très bien ce soir. Ça fait plaisir de vous voir, vraiment. Comme vous voyez, il est déjà mort le boss, hein, quasiment. Hein, voilà, là, il n'y a pas de... Ah oui, il a pris cher, hein. Oui, non, mais de toute façon, là, maintenant, encore deux coups d'épée, Ah, il s'est un bye peu bye le boss, quoi. transformé, mais c'est Oui, il a pas... un peu grandi, mais ça C'est pas n'empêchera pas que, utile, quoi, voilà. hein. Voilà, on va dire ça comme ça. On se demande pourquoi il l'a fait, en fait. Mais en fait, ils l'ont fait parce que c'est, entre guillemets, l'apéritif pour celui qui va suivre tout de suite derrière, c'est-à-dire maintenant. Ouais. Donc, on casse ça et on y va. Alors attends, je reprends mes notes, j'efface. Donc maintenant, c'est Ebrietas. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah oui, Fonda, ah oui, Vagabond. Franchement, ce boss, il me fait rigoler à chaque fois que j'y vais. Surtout que là, Rainbow utilise l'épée de Ludwig et moi, je me sers de la hache. Avec la hache, c'est trois coups et il est mort. Et voici Ebrietas qui peut poser réellement des soucis lorsqu'elle a certains patterns assez embêtants, quoi. On a d'ailleurs un ami à Alors nous, Peluche, pour te il répondre, a Peluche il failli... sortira sur Game Gear, mais pas sur Game Boy Color. Ah ben voilà, c'est de ça que je parlais, Vagabond. C'est de notre ami commun qui a passé Ah des heures et d'avoir des heures sur Ebrietas. d'avoir Et ouais, il a tellement été énervé par ce boss qu'au final il a complètement quitté le chat avec nous et qu'il est parti le On se faire sans casque. rappellera de ces... Mais putain! Mais bon, voilà quoi, pour vous citer un petit peu l'ambiance. Mais non, non, ouais, non, mais... Boss un petit peu pénible, hein? Bah, C'est un Ebrietas, monstre voilà, tank. ça peut passer en fait très 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 vite. C'est ça qui est un peu. Ça peut aller très vite, tout comme Non, seulement sur Commodore on peut aussi 64, mourir très ces vite. beaux ors. On dirait une monstre aux plantes un peu, non? C'est Jesse et les concurrents de la lumière, non? Ebrietas, fille du cosmos, donc j'imagine que ça doit avoir rapport avec les petits aliens qu'on voit. Ouais, ça peut être un rapport, Et hein. après, oui voilà, monstre aux plantes, tout ça, ouais, peut-être. En tout cas, elle a les tentacules, donc j'avoue qu'elle a un certain charme. Ouais, la tentacule, hein. On sait pas ce que fait l'oncle, mais la tentacule.
Ah, c'est bizarre, mais j'en étais un petit peu sur Battlefield. Ah bah écoute, on est entre nous quand même. Façon de parler. Ah, d'accord, il y a 53 personnes qui nous suivent. Bon, allez, chut, on va arrêter. Ah, on va encore te faire engueuler en plus. Ouais, moi bon, j'ai tout, hein, c'est des blagues, gna gna gna. Donc pour l'instant, ça se passe non, plutôt bien. Non, il est pas italien parce qu'il serait italien, il aurait du parmesan. Allez, peluche, ouais, c'est marrant ça. Donc là, voilà, c'est Thierry Brietas qui va passer dans sa deuxième phase, hein, c'est embêtant. Ah, il le gère bien le boss hein, quand même là, hein. Ça va. Oui, hein. Là, bah en fait, c'est parce que c'est un boss qui. Là, il est stun le boss par contre. Donc si là il avait été près de sa tête, je pense qu'il aurait pu lui faire une attaque viscérale, mais dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux continuer à taper parce que lorsqu'on tape plusieurs coups, on lui fait plus de dégâts qu'une attaque viscérale. C'est un choix. Ouais. L'attaque viscérale est plus belle et plus spectaculaire, mais. Ouais, plus tentaculaire. Ah donc là voilà, donc là c'est les rayons laser. Alors ces rayons laser, si vous touchent, c'est fini. Et en général, ouais, c'est deux petits rayons qui vous touchent et bye bye. Et là pareil pour, ça, pour son attaque chargée, qui fait très 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 mal. Je peux one shot quand elle est bien placée. Ouais. Et alors là, elle va pas arrêter de le faire maintenant. Ah elle voilà. Est quand même hein. Bah là maintenant elle est énervée, hein. C'est sa deuxième phase et ah, voilà. Ah il est mort. Il y a certains boss sur lesquels il est quand même limite obligé de. De trébucher quand même, sincèrement. On n'est jamais sûr de que il y a leur pattern est tellement aléatoire, c'est-à-dire on peut lui très en bien pas. Ah non, mais bien sûr que non. Surtout moi qui connais le jeu vraiment par cœur, il y a vraiment aucune raison de lui en vouloir parce que là, elle a fait beaucoup d'attaques chargées. Elle en a enchaîné 3 ou 4 d'affilée, ce qui en général elle ne fait pas. Donc voilà, c'est il y a quand même une petite part d'aléatoire dans les patterns des boss. Et... Voilà. Ah, voilà Bob Marley version alien. Iron, like a lion, and iron. Voilà, comme Vagabond le dit, mauvais pattern, pas de chance. Voilà. C'est uniquement à ça que Rainbow doit sa mort en fait. Parce qu'elle a enchaîné trop d'attaques chargées. Y'a rien à dire, hein. C'est pas son problème quoi, enfin. C'est pas de son fait hein. Il a pas fait le con hein, c'est pas le problème hein. Non au contraire il l'avait bien géré parce que c'est le genre de boss avec lequel il vaut mieux prendre son temps. C'est-à-dire c'est un coup en recul, un mais coup. Mais ça se voit qu'il prend son coup, temps c'est... parce qu'il recule, il coup en recul. Voilà. Là vous voyez hein, là il l'a touché à peine une fois, c'est 30% de sa barre de vie qui est partie. Et enfin, il se fait trois fois comme coup, ça, il est mort. C'est la mort assurée quoi. Encore une charge. Il n'y a pas trop de sens sur, sur ces patterns là, ouais. Et là, Beto, sur elle, t'es d'accord avec le choix de Rainbow sur l'arme ou t'aurais pris autre chose, toi? Bah, en fait, l'arme avec laquelle Rainbow est en train de jouer, c'est l'arme avec laquelle je joue. Ouais. Donc on joue avec la même arme. Par contre, Rainbow joue avec sa deuxième forme, c'est-à-dire la forme la plus grosse de l'arme. Moi, je joue avec l'autre forme, c'est-à-dire une épée beaucoup plus simple, plus petite. Ouais, plus fine, voilà. Donc avec laquelle je mets plus de coups, qui font un peu moins mal forcément, mais j'en mets plus. Ouais. Donc c'est un choix. Soit on veut faire des gros dégâts, donc avec la grosse épée tout de suite assez vite, ou soit plein de coups qui font un peu moins de dégâts, mais qui au final, voilà, c'est encore une fois, c'est un choix. Donc là, il a bien évité la charge. Donc Ebrieta, l'avantage c'est d'essayer de se trouver souvent le plus possible, c'est derrière elle. Derrière elle c'est l'endroit où on risque le moins. Alors Fonda nous dit que lui il va à la hache. Voilà, bah la hache et l'épée, ça reste pour moi les deux armes les meilleures du jeu quoi. Enfin les meilleures. Les armes les plus simples à utiliser. Après il y a des armes qui sont bien meilleures dans le jeu mais qui demandent d'autres capacités. Une certaine maîtrise on va dire quoi. Voilà, il y a une arme en particulier à laquelle je pense, c'est on appelle ça le Shikage. C'est une arme en fin de compte qui est très très puissante, mais elle a la particularité en contrepartie de vous faire perdre des points de vie lorsque vous l'utilisez.
Ah oui, d'accord, ouais. C'est une arme, voilà. D'après ce que j'ai entendu, dans Demon's Souls, il y avait déjà une arme de ce genre. Oui, il me semble. Laser. Voilà, exactement. D'ailleurs, laser parfaitement esquivé. Voilà, là, elle est stun. Voilà. Hop, là, encore une fois, dès la tête qui est baissée, bon, c'est vraiment les moments où il faut en profiter quoi. Dès qu'elle a la tête qui est baissée, il faut taper dans la tête. C'est là où elle se prend plus de dégâts. Ouais, après, c'est bonne, un boss, voilà. Dès qu'on commence à s'éloigner d'elle, après, elle fait ses fameuses charges et ça devient compliqué. Donc là, il l'a encore une fois restun. Allez, elle est bonne. Ah, maintenant, en théorie, là, je pense que c'est fini. Il l'a eu. Encore hein. Un petit coup, et voilà. Bien joué, Rainbow. Allez, Ren. Yeah. On y croit, gamin, on y croit. Il récupère les échos avant de partir, hein, parce que mine de rien, faut pas déconner. Ouais, c'est important, hein. Voilà. Donc, lorsqu'on meurt, en fait, les échos se trouvent soit à l'endroit où on est mort, on voit un petit halo lumineux, on peut les récupérer en les ramassant, ou soit c'est l'ennemi qui vous a tué, qui les a sur lui, et dans ce cas-là, il a les yeux qui brillent et qui sont violets. C'est à ça qu'on sait comment les récupérer. Bienvenue. Très bien. Ok, donc ouais, Cicaps qui demande donc pour la limite de temps pour récupérer les échos. Donc en fait, il n'y a pas de limite de temps pour les récupérer. Il faut juste éviter de mourir en allant les récupérer parce que dans ce cas-là, ben c'est définitivement perdu. Et ça peut être très embêtant. Après, ça peut servir de ça d'ailleurs pour farmer. Le fait qu'on perde nos échos en mourant, il existe des zones dans le jeu qui sont assez simples pour ceux qui veulent farmer les échos. C'est-à-dire, on rentre dans une petite zone, on tue tous les mobs sauf le dernier. Le dernier, on le laisse nous tuer. Donc forcément, on va repop, on va respawner dans la zone, on va directement récupérer nos échos, et on les tue tous sauf le dernier, et ainsi de suite. Et à la fin, on additionne à chaque fois les échos qu'on fait au passage, et c'est une façon de farmer les échos dans le jeu. On se fait toujours tuer par le dernier perso d'une zone. J'apprends que dans Lord of the Fallen, ouais, effectivement, ça s'évapore dans le temps. Bah, je suis bien heureux qu'il ne l'ait pas mis dans Bloodborne, parce que ça m'aurait bien causé des soucis. Et je crois que j'aurais pas le niveau que Peluche, Villa Petit Minou, c'est pas ça? La chanson? Ah tiens. Bah Cyril, on en est quelque part quoi. Villa Petit Minou. Eh ben oui, je la connais forcément. Et voici, par le sombre bête, le toutou électrique. Ah ouais, c'est celui-là, ok. Ouais, je vois. Donc pareil, assez frustrant les premières fois qu'on tombe contre lui jusqu'à ce qu'on comprenne quoi faire. On est monté à 60 là. C'est vrai, on est monté à 70 tout à l'heure. J'ai pas fait attention. Ah yes! Ah bah c'est bien. Donc Cyril qui demande on en est où? Eh ben ça suit son cours mon cher Cyril. On en est il lui reste 6 boss. Voilà. Je dirais ouais. Enfin si je compte pas celui-là, c'est 5. Voilà. Donc en gros il a fait déjà 11 voire 12 boss quoi.
sur 16. Donc le fameux chien électrique, donc là il n'y a pas 10 000 techniques, c'est essayer de se placer sous son corps et lui casser les pattes pour qu'il se couche comme maintenant. Une fois qu'il est couché, donc il perd son électricité. Donc là ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va se mettre dans un petit coin pour la récupérer. Normalement, ben pendant qu'il va essayer de la récupérer, c'est là qu'il faut aller le retaper dans les pattes pour le recoucher le plus vite possible. Alors Peluche, pour ta gouverne, quand même, par rapport aux chansons sur les chats, il y en a une autre, je la chanterai pas, hein, mais 1, 2, 3, 3 petits chats, etc, etc. Je pourrais la chanter, mais non. Ah dommage, il l'a couché en même temps. Non, 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons, enfin bon, bref. Cette nuit sont venus. Voilà, une belle attaque viscérale sur le boss. Toujours joli à voir. Et voilà. Donc ce boss est quasiment mort. Dans ma maison. Il va lui casser les petites pattes. Ouais, 30 minutes ou 45 grand maximum Peluche. Ouais, pas de problème, moi je te ramènerai les paroles. On se la fera en canon. Et voilà, fini. Ah, bien joué, RT. Il a été vite, hein. Bien joué, ouais. Ouais, très très bien. Voilà, c'est purement une question de strat, hein. Là, c'est. Il faut savoir quoi faire avec ce boss. Parce qu'on peut pas juste taper n'importe qui, c'est vraiment les pattes. Est-ce que vous entendez toujours bien? C'est pas tiré du jeu à J'ai un doute, Peluche. Oui. Beto, peux-tu parler un petit peu, histoire que les autres te voient, si on t'entend toujours? Donc, Moz me demande de parler un peu, donc pour voir si on m'entend toujours. Donc, est-ce qu'on m'entend toujours? Je t'enverrai les paroles, Minou. Ah, merci. Eh ben, c'est parfait. Alors, Minou, les paroles, c'est 1, 2, 3, 3 petits chats. L'autre nuit, sans un bruit, sont rentrés dans ma maison. C'est incroyable, hein. On fait un Twitch sur Bloodborne et je fais une chanson sur les chats, quoi. C'est, c'est incroyable. C'est internet. C'est normal. Merci, mais, ça va revenir. Donc là, une zone particulièrement stressante parce qu'on l'a fait en étant pas en speedrun. Les bubettes sont pas très très jolies et elles crachent des petites choses qui font du beau. C'est un peu crade, hein, ouais, ouais, faut le dire. Ouais. Et ah, bon, c'est... là, c'est mieux, en fait. Ça crache les rouges et tout, voilà. Ah, c'est dégueulasse. Là, il y a juste à courir, là, courir, courir. Et au bout de l'arcade, il sera déjà au boss. Contre le boss qui s'appelle Celui qui renaquit. Eh oui, parce que oui. Alors, boss un peu particulier parce que donc le boss il est pas très très beau, voilà, il est là-haut, il est en plein milieu. C'est vrai que et de chaque côté, en fait, de chaque côté de la zone, vous avez trois prêtresses que Rainbow va aller voir. Et qui n'arrête pas de vous jeter des choses. Donc le plus simple parfois c'est d'aller les tuer avant de s'occuper du boss. Voilà. Non, pas toujours, non. Non, non, non. Pensez aussi à celle-là. Hein. Sincèrement, j'ai jamais eu cette impression. Bon, mis à part dans les donjons où les décors sont très très répétitifs et donc dans les calices, et dans le jeu en lui-même, j'ai toujours eu du mal à trouver que les décors se ressemblaient. Au contraire, ce qui m'a fait accrocher au jeu, c'est justement la diversité
du bestiaire et des décors. Donc voilà. Bon, après chacun voit les choses différemment, j'imagine. Donc voilà. Ouais, alors Domi, c'est que nous on l'entend en partie, mais comme elle est sur Vita, en fait on peut pas partager sa voix sur le chat, enfin sur le Twitch. Donc du coup bah nous on l'entend, mais vous l'entendez pas, et effectivement je te confirme, elle a chanté 1, 2, 3, etc. quoi, mais voilà. Donc on y a pensé aussi. Non, je l'ai fait aussi moi. Paillasson. Donc voilà. Eh hey, oh, j'ai vu aussi moi. Pas oublié. Je pense qu'il y en a plus pour vraiment longtemps avec ce boss, hein. Celui qui renaque. On va être celui qui va remourir. Il a tué bien comme il faut quand même. Hein. Ah, on est à 2h10. Des prêtresses de chaque côté, ça se passe bien. Quoi. Allez, on est à 2h11. À tout casser. Amidala, c'est mort. Ah non, c'est celui qui renaquit qui l'a fait là. Ouais, celui qui renaquit, ouais. Donc Amidala, si j'ai bien compris, c'est celui qu'il va aller voir. Enfin, celle qu'il va aller voir maintenant. Voir après, ouais. Il y en a plus que 4, les enfants. Il y en a plus que 4. Il a 20 minutes pour finir. Donc voilà, la petite cinématique que je pense qu'il va passer. 212, c'est ça le level? Rainbow est 212, oui. Ouais, 212 le level. Ouais, il joue bien, hein. Ouais, ça va et toi, Moise? Ça fait bizarre, putain. Minimoï. J'ai l'impression que t'es mon fils. Minimoz. Donc là, il va dépenser un petit peu sa lucidité. Hop. Racheter un peu de fiole de sang, j'imagine. Voilà. On a tous les mêmes réflexes. Bah oui, Fonda, bah oui. Forcément. Et donc, si j'ai bien compris, maintenant il devra aller voir. T'es à côté d'Orléans de combien, Minimoys, du coup? Ouais. Parce qu'il y a un magasin qui est vachement sympa sur Orléans qui s'appelle Pemo Games. Donc, si tu connais pas, il faut que tu y ailles. C'est vachement bien. Et en plus, le mec qui tient ce magasin, il est super cool. Super gentil. Oh, c'est un bon. Ouf, méchant coup là quand même. Hop, allez, vous me sautez direct en bas. L'araignée sur la porte. On peut la tuer, mais dans le jeu, en fait, à la base, elle nous donne quelque chose si on ne la tue pas. Ouais, l'USO peluche, ils ont bien démarré, mais ils sont fait rétamer après, quoi. Ah là là. Et donc, dernière zone optionnelle du jeu, la frontière des cauchemars. Bah oui, voilà, Pemo Games au sud, hein, parce que celui du nord, il est pas terrible, hein. Faut le dire. Alors, je connais, c'est l'oncle d'une fille que j'ai connue au collège, c'est-à-dire. Là, je suis curieux. Ren continue pendant ce temps-là son périple dans Bloodborne. Ok,
4. Là, a priori, je dirais Amygdala, la nourrice de Mergo, Mikolash, German, 4. Ouais. Comme moi, je le dis, 4. Sachant que là, pour Amygdala, ça va aller très vite parce qu'il doit juste traverser donc cette petite étendue d'eau. Elle, là, qui a la particularité de vous rendre malade. Non, Amygdala est un peu plus loin quand même. Donc vous voyez, lorsqu'il se trouve dans cette eau, il y a empoisonnement lent qui apparaît à l'écran. Donc c'est de l'eau qui l'empoisonne. Donc là, c'est il faut utiliser des antidotes, comme il le fait. Parce que sa barre de vie va baisser. Et t'es obligé de passer par là. À mesure. Ouais, c'est là en fait c'est le plus rapide. Après, il y a deux. Lorsqu'on le fait normalement, on va dire, c'est pas spécialement obligé de traverser l'eau comme ça. Moi personnellement, je le fais aussi maintenant. Alors si Cap nous demande si le poison est lent ou rapide. Là c'était du poison lent en fait, mais sachant que lorsque la barre de poison lent est arrivée au maximum, ça devient rapide en fait. Et après on meurt très vite. Alors le grand patron c'est qui? Est-ce qu'il s'appelle de son prénom Nicolas? Et là je vais foutre ma merde un peu ce soir là. Allez hop. Donc là je suppose que Rainbow va aller activer le raccourci. Ouais, c'est bien ça. Ouais, à Paris, il a fait le coup de l'ascenseur, ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça lui permet, pareil, tout de suite, dans le cas d'une mort, il aura juste à aller directement prendre l'ascenseur et il sera directement ici. Et donc là, Amygdala se trouve au bout du chemin. Ok. Amygdala, comme son nom l'indique, c'est... Alors, petite précision sur Pemo Games, hein. Je le dis avant que le combat commence. Donc Peluche rappelle que Playmogame c'est une franchise et que à partir du moment où c'est une franchise, toutes les franchises ont leur patron. Voilà. Au moins c'est dit. Et du coup toutes leurs franchises ont leur patron. Voilà. Donc là, hop, attaque dans la tête, dès qu'elle baisse la tête. Il n'y a pas de... In your face, quoi. Hein? In your face. Ah, Amygdala, c'est que du in your face. Dans sa troisième phase, par contre, c'est plutôt in your arm, c'est les bras. Mais là, pour l'instant, c'est la tête. Voilà, là, elle est stun. Une viscérale, je pense. Voilà. Gère, hein, quand même, hein. Bah, Amygdala, lorsqu'on l'a compris, elle est relativement gérable. Alors, sauf quand elle fait ses sauts là, si elle vous tombe dessus, vous êtes mort. Ouais, c'était un peu trop tard pour la tête. Et ce qu'elle envoie par terre, donc, c'est du poison. Ouais. Donc là, elle est déjà dans sa deuxième forme. Rotod. Alors ça dit quoi le match? Rotod. Allez hop, dans la tête Rainbow. Voilà. Ouais, il est pas mal hein, Rainer, il est pas mal hein. Bah après cette zone là, il va lui rester la zone. Ah putain, moi, je trouve la Paris a gagné 6-0. Oh la vache. Hop, la tête. Ah, c'était trop éloigné. Oh, 6-0 Paris. Waouh. Oh la claque. Oh la mec. Ah, des lasers aussi, elle, hein. Ouais, laser qui peut faire... En fait, les lasers n'explosent pas
ils explosent après en fait. D'abord le laser touche par terre et ensuite il explose. D'accord. Et, ouais. L'explosion fait très mal quoi. Et Amygdala a un pattern très simple. C'est des laser frag quoi. Hein, on va dire ça comme ça. On peut dire ça. Et voilà sa troisième forme. Donc vous avez vu, elle s'est arraché les pattes qu'elle avait dans le dos. Ouais. Elle a doublé son allonge en fait. Un peu comme la reine alien dans Aliens. Et donc là, dans cette phase-là, eh ben, on doit rester le plus possible sous elle. Pour qu'en fait, après, elle va faire des sauts. Comme maintenant. Et elle va s'éloigner de vous. Et vous avez juste à vous replacer encore une fois en dessous d'elle. Et elle bonne soirée à toi, Keldorn. Bonne soirée, Keldorn. Alors Amygdala a des parties sensibles vraiment spécifiques. Si vous lui tapez dans les jambes ou dans les fesses, si vous appelez ça des fesses, vous ne ferez pas de dégâts en fait. Tu peux montrer la tête de peluche s'il te plaît, enfin faire un lien. Merci ma grande. Excusez-moi, j'ai un peu parlé avec Cicaps par rapport à l'histoire de Demo Games. S'il faut qu'on fasse un peu de pub, hein. Donc voilà. Donc Cicaps, normalement. Et voilà. Le lien est là. Merci Cicaps. Parfait le lien. Comme ça, au moins, Minimoys, tu pourras regarder. Et là, c'est vraiment la tête du patron de Orléans Sud et Orléans Nord. Donc si c'est pas lui, c'est que tu confonds. C'est pas le même magasin. Des petits coups dans les bras. Allez, allez. Et voilà. Donc là il lui reste en fait Nicolas, la nourrice de Mergo et German, 3 en fait. Ouais, il en reste plus que 3 là. Il en a plus qu'il y en a 2 qui se trouvent... ouais. Ça va être dur, parce que là maintenant il doit aller dans la zone... Je pense que c'est 15. La zone qui va être un peu embêtante, c'est ce qu'on appelle le cauchemar des Mentis. C'est une zone qui peut se faire en 10 minutes, mais elle contient les deux boss déjà. Et après, donc, il restera plus qu'un. Le cauchemar des Mentis, c'est la zone. Lorsqu'on arrive devant le jeu, pardon, franchement, peluche, excuse-moi, je pensais que j'avais les deux. Pardon, désolé. Centre de conférence. Qui est l'endroit, d'ailleurs, pour ceux qui jouent au jeu, où je vais fermer les échos. Voilà. C'est pas que je comprends rien, c'est juste que j'étais perdu. Voilà. Mais non. Non, n'empêche, il a bien assuré quand même en arène. Hein. Il a été bon. Hein. Il a été très très bon. On va faire une petite interview de Ren quand il aura fini son run. Enfin, c'est dur de dire ça, hein. Ren qui aura fini son run. Ren qui aura fini son run. Ça va être compliqué, hein. Mais bon. On fera un petit truc comme ça, hein. Beto, tu resteras un petit peu avec nous. Oui. Hein, pour le débrief, on va dire. Pendant 10 minutes. C'est que moi, les débriefs, j'aime bien ça. Bon, on fera la semaine prochaine, hein. Quoi qu'il arrive. Exactement. Eh oui, parce que Moose, Beto, Rainbow Twix ne seront pas là pendant 5 jours à partir du 14. Voilà. Exactement. On sera tous ensemble. Mais pas avec vous.
Voilà. Mais... Mais ouais. Voilà. Non, les décors sont sympas, hein. Franchement. Par contre, là, je vois que Rainbow prend le parti d'aller directement dans la zone. On a pas fait ça, ah, quoi que non. Ah non, non, ici, sinon. En fait, il le fait différemment. C'est peut-être pas bête comment il fait. Alors, en fait, il y a une autre lampe à allumer un peu plus haut. Et de cette lampe, en fait, il y a tous les raccourcis du jeu par-delà. Mais je vois que Rainbow préfère d'abord aller activer les raccourcis. C'est vrai que du coup, je perds peut-être un petit peu de temps. Je vais peut-être apprendre quelque chose. Donc pareil, hein, les arachnophobes là, alors que les petites araignées, dont une qui est vraiment pas alors, Sebozor, je pars du week-end d'avant le week-end auquel tu penses. Donc là, il va croiser un chasseur qui est pas très très gentil, mais je pense qu'il va pas se battre contre lui. Ouais, il a pas été le chercher. Hein. Et juste là, hop. Ah, c'est vrai que ouais, il a peut-être pas tort en fait, hein, peluche, hein, sur le fait qu'il y a un décor qui se ressemble et tout, je comprends ce qu'il veut dire. Bah, là, c'est on est en intérieur quoi, mais quand on y joue, franchement, c'est différent. C'est on sent bien la différence quoi, entre les zones. Ah ouais, non mais oui, mais là, ouais, j'ai remarqué certaines similitudes. Non, c'est pas vrai. C'est le meilleur jeu du monde. Si! Pas grave, Seb, t'inquiète. On y sera. Donc là, on y sera. Il est déjà arrivé au premier boss de cette zone. Mais d'abord, bien sûr, le petit raccourci. Donc voilà, c'est le genre de choses d'ailleurs sur lesquelles on perd toujours un peu de temps à activer ses raccourcis. Bon voilà, lui il va activer la lampe maintenant. C'est vrai que moi j'allais l'activer avant et je perds du temps. C'est pas bête. Ouais. Alors par contre il retourne dans son hub. Alors pourquoi retourne-t-il dans le hub suspense? Voilà, comme Vagabond le dit, Honda en l'occurrence, il faut jouer pour se rendre compte que les décors vraiment ne se ressemblent pas. Lorsqu'on joue, on se rend compte que non. Et Rainbow vient de prendre un niveau au passage. Fonda, t'inquiète pas, hein, je faisais l'avocat du diable, hein, c'est le rôle. Mauvais flic, bon flic, tout ça. T'inquiète pas. C'est Bowser, le meilleur jeu du monde, c'est Pong. Ça, ouais, ça l'a été à une époque, je pense. Je pense. Ah, même maintenant, hein. Ah un oui, peluche ton. Effectivement. Ah bah oui. C'est vrai que c'est une belle exclue PS4. Là-dessus, quand on sait que les joueurs PC ont fait une pétition pour l'avoir, on peut comprendre vite pourquoi. Non mais au pire, peluche, t'en détournes une du magasin, quoi. Et puis voilà, on en parle plus. Alors un boss pas très dur, mais un peu spécial, parce qu'en fait au début il s'agit de lui courir derrière pour le faire rentrer dans des pièces spécifiques. C'est-à-dire donc, bah là lorsqu'il va arriver, donc voilà, ça va, la barre de vie va apparaître, on a bon, d'abord la cinématique. Et maintenant le boss il va lui courir derrière. Il faut que ce boss rentre dans des pièces spécifiques pour pouvoir se battre contre lui. Donc le boss est là. Donc là Rainbow va le suivre. Alors je sais pas s'il est au courant exactement du truc, c'est que là le boss va tourner à droite. Et là il devrait s'arrêter, Rainbow et redescend. Ah bah non. Ah non, ça peut durer longtemps. La Rainbow aurait dû s'arrêter, repartir en arrière et du coup il serait arrivé face à la pièce et le boss serait rentré dedans. Ah il teste un autre truc je pense. Ah
Ah, il a touché donc deux voilà, fois là, le boss rentre dans la pièce. Bonsoir à qui? Ah bah bonsoir ah, Misa. Bonsoir hein Misa, coucou Misa, coucou cochon. Non. Oh, grandiose. Bonsoir mon cochon qui rigole. Reste un chasseur, même dans un rêve. Mais n'allez pas si vite. Le cauchemar se tord. Mon petit boss, vraiment très bien. A priori. Voilà, déjà la première moitié, c'est fini. Donc il disparaît et il faut entre guillemets le retrouver maintenant. C'est vraiment un boss qui se passe différemment des autres. Ouais, je vois rien. Misa, on te salue, hein, évidemment. Ah oui, Misa, gros bisous à toi. À dans 5-6 jours, hein. Toi avec qui j'ai passé 1600 heures sur Destiny. Respect. Parce que voilà. Donc là voilà, donc là le boss se trouve juste en dessous de Rainbow. Tu vas devoir descendre. C'est Nicolas, on est d'accord. Ah, voilà, c'est Nicolas. Là le boss va rentrer dans cette pièce, mais la porte se ferme. Donc tu dois retourner tout en haut. Entendu nos prix. Et sauter dans cette pièce, le retrouver le boss en fait. C'est un boss qui se passe vraiment différemment des autres, mais au final, une fois qu'on est dans la même pièce que lui, ça peut aller très très vite parce que il a une seule attaque qui fait vraiment mal. Mais on peut assez facilement l'empêcher de la faire. Ouais. Donc là, le Rainbow est arrivé, donc au-dessus de lui. Voilà, le boss est juste là. Le maintenant, cosmos, le truc qui se passe pas, c'est une attaque exotique qui jette un petit feu d'artifice un peu partout. Donc là, les tentacules, tant qu'il fait ça, en général, le boss, aucun problème. Voilà. Pas qu'il s'éloigne de trop. Oula. Donc voici l'attaque qui fait très mal. Ouais. Voilà. Donc, par contre, là, deux fois de suite, ça va pas être bon. Ouais. Voilà. Aïe. Allez, Ren. Allez, 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 allez. On est avec toi. Donc pareil pour ce boss, je me suis rendu compte que m'équiper d'une armure contre l'ésotérisme et d'une rune contre l'ésotérisme, ça m'avait beaucoup aidé à supporter ces fameuses attaques qui font très mal. C'est dès qu'on s'éloigne de lui, de toute façon, il fait cette attaque. C'est... Ouais, bah ouais. Le truc c'est de rester collé à lui et d'esquiver dès qu'il met ses tentacules, d'esquiver à droite, de le retaper et d'esquiver toujours en fait. Mais c'est rageant en fait hein, ce genre de boss hein, parce que bah, Ren il y a ah, mis oui. Des bons coups quand même. Hein, y a ah bah un dire, boss hein, qui, mais... a, qui a qu'une seule attaque qui peut te tuer et lorsqu'il l'a fait ouais c'est totalement rageant quoi, c'est clair. Sachant que tout le reste du temps il fait rien. Ouais et, c'est ça. Ouais. C'est assez rageant. Donc voilà ce que j'expliquais en fait, c'est que la pièce où le boss doit rentrer se situe à l'étage juste au-dessus d'où est Rainbow en fait. Donc là, elle se trouve à droite la pièce. Donc Rainbow devrait suivre Mikolash. Le suivre, Mikolash va arriver là-haut, et là il devrait s'arrêter Rainbow, repartir en arrière. Et lorsqu'il arriverait face à la pièce, ben, il rentrerait directement dedans. Donc là il perd un petit peu de temps à courir derrière. C'est vrai qu'il y a une technique pour le faire rentrer automatiquement dedans quoi. Parce que ça peut durer très longtemps en tournant derrière comme ça. Si là il tourne à gauche, c'est bon. Voilà, là c'est bon, il rentre dans la pièce. Allez, bye Fonda, bon courage pour demain. Bisous. Ciao, ciao Fonda. On se revoit demain soir. Un chasseur reste un chasseur, même dans un rêve.
Mais n'allez pas si vite. Le cauchemar se tord. Parce que le combat il sera en vacances demain. Donc ça sera plus cool. Moi j'ai pris la semaine après. Après le rasso. Ouais. Bah oui. La semaine complète parce que je sais qu'il faut toujours bien. Et ouais, et moi le 19, normalement avec Ren, je vais assurer The Witcher 3 en Twitch. Donc soyez là sur jeux vidéo live. C'est un plaisir de regarder. D'ailleurs, The Witcher 3 risque de ramener un peu plus de monde quand même. C'est le jeu qui est quand même. Ah, mais là, on est, bien là. À 44, on est pas mal. Hein. Oh non, alors là, franchement, moi je suis tout à fait satisfait, mais The Witcher, c'est quand même le jeu que énormément de monde attend. Au cosme, comme le disent certains, as-tu entendu nos prières? D'ailleurs, je vais sûrement me le faire aussi, d'ailleurs. Ah ouais. Moi aussi, je pense. Je pense que je vais me le taper. Alors voilà, le moment de vérité. Il faut vraiment qu'il le colle au maximum. Ouf, dommage. Il retourne direct au corps à corps sinon on va faire son attaque. Voilà, c'est bon, très bien joué. Je te comprends, Domi. Je te comprends complètement. Voilà, esquive, on rattaque. Ah, c'est bon, je pense que Nicolas là, Rainbow l'a bien géré. Hop. Il a eu. Fini. Hein. Il a eu facile. Hein. Mais alors, facile. Hein. Alors Demi qui dit qu'elle ne regardera pas le Twitch de The Witcher 3 pour ne pas être spoilé. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet effet qui c'est pourrait normal, aussi. Oui, le double effet qui se coule, j'avais pas pensé à ça. Eh oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti. Anti-spoil. Anti-spoil. Ce que je peux comprendre parce que moi-même, dans tout ce qui est série télé et compagnie, c'est une Papa, chose que je bisous. Déteste. C'est bien les Non mais... Alors Peluche, est-ce que tu me connais? Bonne question. Non. Je ne pense pas. Seulement sur JVL, mais sinon. Voilà, exactement. Et Domi, oui, je comprends aussi. C'est un gros membre du forum, même, Cicabs. Un gros membre ces derniers temps là avec Bloodborne et tout, ça fait un moment que c'est vrai que j'avoue que bon je passe tous les jours sur le site mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de poste. Tu commentes un peu quand même hein. C'est vrai que c'est un peu rare. De temps en temps. Mais là c'est devenu un peu plus rare, mais j'avoue que j'ai le peu de temps libre que j'ai, j'avoue que je le passe à jouer et peut-être falloir que je commence à essayer de jongler un peu de faire les deux. C'est normal. Tu sais Peluche quand il aura Splatoon. Peluche quand il aura Splatoon, on le verra plus non plus hein. Donc voilà. Ah c'est dur à trouver avec la famille, les enfants, le travail, les devoirs des enfants. C'est vrai que dès que j'ai un peu de temps libre, je finis de jouer quoi. Alors la Rainbow se fait plaisir de tuer la gentille dame qui était là, qui ne faisait de mal à personne. Ouais. Mais elle était là. Donc voilà. Oui Peluche, gros membre. Je confirme. Ah, tu vois, Splatoon. Tu vois. Et donc, l'avant-dernier boss pour Rainbow ce soir. Eh oui. La nourrice de Merbeau.
Allez, Ren. Boss. Encore une fois, je devrais dire pas très compliqué quand on le connaît. Ah, faut que je regarde la peluche, moi, pour de sans cesser, parce que normalement j'ai pris le Season Pass, c'est ça? Je sais pas comment ça s'appelle sur Wii U, mais il apparaît pas dans mes menus, donc il va falloir que je regarde. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas passé les autres? Bah ouais, bah DLC je l'ai payé normalement. Moi j'ai vérifié. En fait, il est là, en fait, le boss est dans une phase où voilà, où il va faire que disparaître, réapparaître, et il fait aussi apparaître un clone. Donc là, du coup, pendant cette courte période, ils vont être deux. Donc là, le principe, c'est de même pas essayer de taper, c'est surtout d'esquiver. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. T'en as forcément un qu'il faut taper par rapport à l'autre. Voilà, exactement. Bon, la Rainbow tape quand même. Moi, c'est vrai qu'en général, je prends pas le risque. Parce que comme ils sont deux, ils peuvent très vite tuer si t'as tué les deux en même temps. En général, ce que je fais là, c'est que je tourne et j'évite les attaques des deux. Et là maintenant c'est fini, donc il y en a plus qu'un. Donc il y a un moment où ça, entre guillemets, se termine quoi. Voilà, bah là maintenant c'est redevenu normal, donc là je pense qu'il va le terminer. C'est un boss qui est franchement relativement pas compliqué quand on a bien appris le truc en fait. Ouais. Mais qui est très chiant la première fois où on tombe dessus. Ouais, ça c'est vrai. Donc Guadala, on est d'accord avec toi, il est chiant le premier coup. Mais comme d'habitude, une fois que tu maîtrises, ça va super vite quoi. Voilà. La preuve en est, il est mort. Et donc maintenant il reste plus qu'un boss. Du moins pour cette fin. Parce qu'il existe trois fins à Bloodborne. Et... Ah oui, c'est important de préciser d'ailleurs. Oui, oui. Une fin. Voilà. Et alors les trois fins. Il y a une fin où on ne combat pas. Une fin où on combat le boss, celle que Rainbow va faire. Et une fin où on combat deux boss. D'accord. Mais après. On dira rien de plus. Hein. Voilà, exactement. On dira rien de plus parce que. Et la Rainbow d'ailleurs vient de récupérer en tuant ce boss un tiers de cordon ombilical. Donc si on dit un tiers, ça veut dire qu'il existe dans le jeu deux autres tiers. Et donc le principe c'est de récupérer ces deux autres tiers et on a accès à une autre fin. Voilà. Donc une quatrième ou une des trois? Non, c'est la troisième en fait, ouais. D'accord, ok. La troisième. Et là comme vous constatez, maintenant il est revenu donc à l'endroit dans son hub et vous constatez que ça a changé, que tout prend feu. Et c'est signe qu'on est à la fin du jeu en fait. Donc là vous voyez il répare son arme. La fin ou... alors quelle fin choisir? Quelle fin choisir? Il est curte heureux et il y a beaucoup d'enfants. Pas non, mal, elle n'existe pas cette fin là dans Bloodborne. Ah, non, ça n'existe pas. Non. Bon. Moi j'ai ça comme ça. Moi. Et donc là, bah, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou ceux qui le connaissent, la personne que Rainbow va aller voir maintenant, en fait, c'est la personne qui est assise
dans sa chaise roulante depuis le tout début du jeu, qui se trouve devant l'endroit où Rainbow répare son arme. Je vois, ouais. Ouais. Qui ne servait à rien en fait. Donc voilà, elle se retrouve ici. Et là, il a le choix entre deux fins. Donc Rainbow va choisir de le combattre. Et lui, par contre, lui peut être particulièrement pénible si on n'a pas un minimum l'habitude. Allez, Ren! Allez! Alors là, sincèrement, s'il y a 4 fins, j'avoue que je trouverais ça étonnant parce que j'ai quand même retourné le jeu de tous les côtés. Non, je pense qu'il n'y a que 3 fins. Maintenant, une quatrième fin, non, j'ai un gros doute quand même. Ouais. Ça reste possible. Ah, je dis pas que c'est impossible, mais là, franchement, c'est vrai que j'ai quand même. Je pense que j'ai tout fait ce que je pouvais faire et je vois vraiment pas comment qu'on pourra accéder à cette quatrième fin en fait. Ouais. Sachant que, ouais, voilà. Par contre, je serais ravi qu'il y en ait une quatrième. Ça me donnerait un nouveau challenge à faire. Ah, 4 cordons. Ah voilà, là il la stun. Et en fait, il faut savoir que... sur les 4 cordons, c'est pas réellement 4 cordons en fait. C'est, ça dépend du moment où on va chercher un cordon en fait. Il y en a un, il y en a deux, c'est les mêmes. Mais à des moments différents. On les récupère différemment en fait. En gros, on a 4 chances d'avoir un cordon, mais il y en a deux, c'est les mêmes. Voilà, c'est dur à expliquer, mais... Voilà. Vas-y, j'ai mon chat qui est fatigué. J'en peux plus. Ouh, dommage, là, il a presque failli le stun. Attention. Là, le but, c'est de le taper un maximum avant que... Voilà. Donc là, maintenant, il va commencer à devenir un peu embêtant. Là, il va commencer à devenir un petit peu embêtant. Il est violent, hein. Alors Minimo explique bien, j'ai visible. En fait moi les cordons que... En tout cas ce que moi j'utilise, donc c'est celui que la nourrice de Mergo donne à la fin. C'est celui qui se trouve au vieil atelier abandonné, qui est une zone optionnelle que Rainbow n'a pas été visitée parce que bon, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Et le troisième cordon que je vais chercher en général, c'est celui qui se trouve dans la clinique de Yosefka, lorsqu'on passe par le raccourci des bois interdits, et qui consiste à tuer donc la jeune fille qui est en train d'accoucher. Bon, c'est pas très gentil mais... Non, c'est pas gentil du tout. Et je sais que donc ce cordon là peut être récupéré. On va dire au moins que t'as coupé le cordon quoi. Hein, c'est un peu ça. Ah, oh, elle était facile celle-là. Ah oui, mais en même temps, voilà. Et donc voilà. Et donc ce que je dis, c'est que ce cordon que je récupère en tuant donc cette dame qui accouche, on peut aussi le récupérer différemment, c'est-à-dire lorsqu'elle a accouché. Il l'a eu. En allant dans les égouts de Yharnam, en tuant le bébé. Voilà. Alors Guadala, la meilleure arme selon vous? Alors encore une fois, ça va être une question de style de jeu, de skill. Personnellement, les armes, parmi les armes qu'on peut avoir accès dès le début du jeu, la hache est très 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 puissante. D'ailleurs une arme qui est considérée comme cheatée. Et moi j'aime pas trop ce terme parce que dès qu'une arme est puissante, les gens disent qu'elle est cheatée, alors que c'est juste une arme du jeu comme une autre. Mais la hache est très très puissante pour les gens qui commencent. En particulier dans sa deuxième forme, elle a une très très grande allonge et permet de tuer quasiment la plupart des personnages du jeu. Et sinon, et ben, l'épée de Ludwig, avec laquelle Rainbow joue, il l'a eu. C'est une arme très puissante. Et bien joué Rainbow. Donc voilà. Coucou. Voilà, tous les boss du jeu. Voilà, bien joué RT.
Bisous Mehdi, à plus. Bisous Mehdi, à plus. Ah, merci à tout le monde. Bisous Mehdi. T'inquiète merci pas, à toi, FP. C'est pas méchant ce que j'ai dit, hein. C'est juste que voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu le un peu le délire du jeu, quoi, on va dire. Ah, bravo à toi, Ren. Bravo à toi. Ouais, merci. Bon, je suis pas convaincu parce que j'ai fait des erreurs bidons. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais notamment Mikolash, là, je m'en suis voulu. 2h44, 2h30, ça va, t'as perdu 10 minutes, 3 quart d'heure, c'est bon. Alors, Peluche, oui, il y a une cinématique en fait. Je l'ai sauté, ouais. Ouais, pour pas spoiler, enfin. Exactement. Ouais, pour pas spoiler. Donc, je fais un bisou à Minou, qui m'a supporté depuis le début. C'est une copine de classe, je fais un gros bisou, un petit coucou. Ouais, on avait compris. Voilà. Ah tiens, bravo mon copinou, zou bisou. Gros bisou, bisou, bisou. Puis bah merci à tout le monde hein, de m'avoir suivi. Ça va, il y a du monde quand même. Je m'en ai resté constamment à environ à 60 personnes, c'est cool. Ah ouais, c'est bien, ouais, il y a du monde ce soir. Et, malgré Koh-Lanta, c'est bien. Donc c'est cool. C'est écoute, bon Ray, en tout cas, franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Je pourrais pas faire aussi bien que Minou, mais voilà. Ah, franchement, c'est bien joué, Ren. Par contre, c'est vrai que sur Mikolaj, tu perds un peu de temps à les courir derrière. Il y a quand même, tu peux quand même le forcer à aller tout de suite dans la pièce. Et, ouais, encore, ça va, je me suis bien sorti ouais. Parce que je me rappelle sur des runs où il mettait beaucoup plus de temps à aller dedans. J'étais assez content. Oui. Moi, au début, je courais derrière pendant des fois 5 minutes. Le Garius aussi, il t'a posé des problèmes. Hein. Ah, le Garius, il m'a bien cassé la tête. Ouais, Brietas, j'étais trop déçu parce que je l'ai pas vu venir quoi. Quand elle m'a. J'avais bien commencé, puis. Arrivé à la moitié, elle m'a. Elle chargé 2 ou 3 fois d'affilée, en général, quand elle fait ça, c'est mort. Et là, c'est aléatoire. Puis les ombres d'Irnan, quoi. Là, c'est chaud parce que tu dois en gérer 3 en même temps, donc pas évident. Moi, en tout cas, personnellement, je te dis. Pas à t'en vouloir, c'est pas à t'en vouloir de rien du tout parce que c'est un jeu qui est exigeant et parce que tous les boss du jeu, franchement, en 2h40, il y a quand même pas grand monde qui l'a fait. Oui, bien joué. Complètement. Ouais, merci. Et comme dit mon ami Cicabs, merci de nous avoir suivis et évidemment de vous abonner à la chaîne Jeux Vidéo Live. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir tous les deux. Tous les trois d'ailleurs et tous les autres qui nous ont suivis en même temps sur ce Twitch spécial Bloodborne en moins de 2h30. Ça a été un petit peu plus compliqué que 2h30, mais c'est pas grave. On a passé un super moment. Ouais. J'espère que vous aussi. Puis bah, à bientôt pour le prochain Twitch hein, qui sera donc le mardi 19 sur The Witcher. Ouais. Ciao, ciao tout le monde.